Soyez bénis dans le nom de Jésus. Veuillez mettre des cœurs, partagez le direct si vous êtes là, si vous êtes réveillé, vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le puissant, le précieux nom de Jésus. Nous allons passer un moment merveilleux ensemble. Permettez-moi de partager comme d'habitude le direct. Et nous allons commencer au nom de Jésus. O kamaya rakotore kisaka tarabra koshakarabaso ketarabaso keterege. I karabaso kotore kisaka tarabra. Mabro kosharabra kotoro bosharabra kotoro koshaka tarabashi katarabra kose. I karobo sharabaso kantarabra koshekerege. Gloria Bassan Delegue Sharabra Kotoroko Sharabaseke. Disposez-vous, préparez-vous. Disposez-vous, préparez-vous. Nous allons passer un moment ensemble. Maso Kotoroboshe Katarabaso Koseke Tarabaseke Delegue. Ekon Tarabra Koshe Katarabra Koshe Ketoroki Tarabre. Lota Mosa Karabaseke Toroboshe. Loka moisa katurubo sharabrako turuboshi. Babo she katarabrako sharabrako turubroko sharabraka tarabasin darabre. Moriaba she keturubroko she karababo she kederge. Gloria momusha katuruko musa katarabrako she kibidigo. Loka mayala koturisi kantarabroko sharabrako. Ikoroko toroboko sheke tarabako sheka tarabrako shaka tarabrako sheke birigoko tarabra maka tarabrako sheke birigo o karabababako sheke birigo tarabrako sharabrako sheke tarabreko sharabako sheke karabra morababa sheke torobo sheke karabra Lo tarabro ko sharabra ko toro maso ko turhi kababa sin tarabre ko sharaba. Partagez le direct, partagez. Mettez les cœurs. Ko ramase ke tarabre ko shi kamahai tirigo. I karabo shi ke tirige sharabra ko toro ki sarakama yalato brika san nirige. Bobo shaka baraba sheke kere. E karobo shikandere kesere kotoroko sarabra.
Mamo shikarabra koturuko sharaba kotisika ndarabre. Lo karaba shika tarabra kusharabra koturuburo sharabra koturiki tarabra. Mo rabra shiken turubro. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Moka sakata rokoshi. Mettez le cœur, soyez bénis, partagez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, réveillez-vous, vous qui êtes en train de dormir. Mettez le cœur. Merci Saint-Esprit. Mettez le cœur, soyez bénis. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il est 23h12. Comme prévu, nous allons commencer notre direct de prière de ce soir. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Dans ce direct, nous allons avoir un moment de prière. Je vais permettre à ceux qui veulent rendre des témoignages, qui n'avaient pas pu rendre leur témoignage, de pouvoir appeler et rendre leur témoignage. Cela sera possible. Si quelques personnes ont des sujets de prière, il y aura un moment où nous allons permettre que les gens puissent donner leur sujet de prière pour que nous puissions prier courtement pour leur sujet de prière en croyant que Dieu nous a écoutés. Alors, je vous avais demandé de préparer aussi une bouteille d'eau et une bouteille d'huile. Ou un peu d'huile, j'ai dit un peu d'huile. Alors, vers la fin du direct, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et nous allons prier en conséquence. Ce soir, nous croyons que le Seigneur est avec nous. Ce moment est dédié au Saint-Esprit. Ce moment est dédié au Seigneur lui-même. Nous faisons taire ce soir tout esprit de perturbation, tout esprit démoniaque, toute puissance infernale, toute puissance qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui va vouloir empêcher la grâce de quelqu'un est liée et paralysée aujourd'hui, en ce moment même. Le but de ce direct, c'est de t'amener à ton exaucement. Le but de ce direct, c'est de t'amener à l'accomplissement. Le but de ce direct, c'est de te faire bénéficier de la gloire et de la présence de Dieu. Il y a certainement un combat que tu es en train de mener, que tu ne peux pas mener seul. Nous allons le mener ensemble aujourd'hui. Il y a certainement une victoire que tu désires, que tu ne peux pas remporter seul. Nous allons la remporter ensemble. Ce soir, nous donnons la place au Seigneur. Nous faisons taire tout esprit de sorcellerie. Nous faisons taire tout esprit de mysticisme, toute puissance qui ne confesse pas le nom de Yahvé, est paralysé. Nous neutralisons ce soir toute flèche satanique, démoniaque. Nous paralysons ce soir toute langue mauvaise, toute pensée mauvaise. Frère, tu n'es pas pur, je ne suis pas pur. Tu n'es pas saint, je ne suis pas saint. Nous sommes des êtres humains et nous avons été conçus dans le péché. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous venons devant Dieu en ce moment précis pour lui demander d'avoir pitié de nous et de nous accorder une grâce particulière. D'avoir pitié de nous et de nous accorder le pardon. Je crois que le Seigneur, dans sa miséricorde, accordera le pardon à une personne aujourd'hui. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois
de n'importe quelle confession, même que tu sois musulman, que tu ne crois pas en Jésus, que tu sois païen, quelle que soit la foi que tu as, quel que soit le manque de foi que tu avais, je prie ce soir que parce que tu te joins à nous, parce que tu pries avec nous, Dieu ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta famille, de tes enfants, de tous ceux que tu aimes. Même si tu avais commis des péchés, tu avais commis des actes atroces, que le Seigneur, en ce moment même, ait pitié de toi, ait compassion de toi et te donne une nouvelle grâce. Je voudrais ce soir que les anges soient autour de ta vie. Je voudrais ce soir que les anges soient autour de ta maison. En tant que serviteur de Dieu, je ne fais que recevoir des sujets de prière. Je reçois tous les jours des sujets de prière. Je me sens impuissant devant tous ces sujets de prière parce que je suis un être humain. Je m'adresse à Dieu et je dis à Dieu, aie pitié de tes enfants, aie pitié de ces personnes, aie pitié de ce frère, aie pitié de cette sœur. Si moi-même, je pouvais en un clin d'œil réparer tout dans votre vie, résoudre tout en un clin d'œil dans votre vie, je le ferai comme ça, en un clin d'œil, en un instant. Mais parce que je suis un homme que Dieu a appelé, je ne peux que m'adresser à Dieu en votre faveur. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un être humain que Dieu utilise pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans la vie de qui il veut. Dieu peut utiliser un âne. Dieu peut utiliser la nature. Il peut utiliser même des pierres. Il peut utiliser ce qu'il veut pour accomplir ce qu'il veut. C'est pourquoi je ne peux pas me glorifier. Au contraire, chaque jour, je dis à Dieu, aide-moi à aider ceux qui viennent vers moi. Parce que la plupart d'entre nous sont dans les épreuves. La plupart d'entre nous sont dans la souffrance, sont dans les difficultés. La plupart d'entre nous veulent un exaucement. À la fin de chaque année, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Satan réclame du sang. Satan réclame les âmes. Satan réclame la vie de certaines personnes. Je ne voudrais pas que tu sois son candidat. Dis-moi Amen. Je ne voudrais pas que tu sois le candidat de Satan. Dis-moi Amen. Je refuse que tu sois au mauvais lieu, à la mauvaise place, au mauvais temps, au mauvais moment. Dans le nom de Jésus, je prie aujourd'hui que tu sois préservé de tout mal, que tout ce qui va être fait en cette fin d'année, contre qui que ce soit dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville, dans ta nation, quel que soit le lieu où tu es, tout ce qui va être fait aujourd'hui et dans cette fin d'année, que le diable ne puisse pas t'atteindre. S'il y avait des plans qui avaient été déjà préparés et planifiés contre ta vie, que cela soit déjoué. Je voudrais aujourd'hui qu'une situation change dans ta destinée. Je voudrais aujourd'hui que tu te relèves, toi qui étais en train de pleurer, toi qui n'as plus d'espoir. Peut-être que parmi nous, il y a des orphelins, orphelins de père, orphelins de mère. Peut-être que parmi nous, certains ont perdu des gens qui leur coûtaient cher. Peut-être que parmi nous, certains sont en train, en ce moment, de penser à une personne qui leur coûtait cher. Je voudrais que tu oublies ces angoisses, que tu oublies ces soucis, que tu oublies tes larmes. Écoute-moi, même si tu as perdu quelqu'un de cher, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Son esprit est avec toi. Les anges sont avec toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il le fera.
Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse pour toi? Il l'accomplira. Ce soir, j'appelle les anges de mon autel. J'appelle les anges de mon autel. Les anges qui veillent sur ma destinée. Les anges qui veillent sur ma vie. Les anges qui veillent sur ceux qui aiment le Seigneur à s'attacher à ta vie. À s'attacher à ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des tombeaux s'ouvrir. Je suis en train de voir des tombeaux s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, beaucoup ressusciteront. Beaucoup ressusciteront. Et je crois que tu fais partie de ceux qui ressusciteront. Je crois que tu fais partie de ceux que Dieu relèvera. Je crois que tu fais partie de ceux que Dieu restaurera. Écoute-moi très bien. Dieu ne va pas écouter tes ennemis. Dieu ne va pas s'entendre avec ceux qui te détestent. Dieu ne va pas s'entendre avec ceux qui veulent ta mort et qui te veulent du mal. Dieu lui-même a décidé de te restaurer, de te bénir. Crois-moi, la présence de Dieu est déjà là. Crois-moi, la grâce de Dieu est déjà là. Crois-moi, l'Esprit de Dieu est déjà là. Oh, crois-moi. Oh, Haseche Kamaya. Crois-moi, l'onction de Dieu est déjà là. Crois-moi, tu n'es pas seul là où tu te trouves en ce moment. Crois-moi, l'atmosphère du lieu où tu es est en train de changer. Crois-moi, l'atmosphère du lieu où tu es est en train de changer. Crois-moi, l'atmosphère du lieu où tu es est en train de changer. Crois-moi, l'atmosphère du lieu où tu es est en train de changer. Crois-moi, s'il y avait des mauvais esprits autour de toi, dans ta maison, dans ton lieu d'habitation, dans ton environnement. Maintenant où je suis en train de prophétiser, de proclamer, ces esprits sont en train de prendre la fuite. Ces esprits sont en train de prendre la fuite. Crois-moi, quelque chose de fort est en train de se passer. Crois-moi, tu vas sentir la divinité, la présence de Dieu dans ta vie. Crois-moi, tu vas sentir l'onction de Dieu dans ta vie. Crois-moi, oh, l'Esprit de Dieu me dit que des personnes malades sont en train de recevoir la guérison. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu me dit que des personnes malades sont en train de recevoir la guérison. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des maladies qui sont en train de sortir des corps en cet instant même précis. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des maladies qui sont en train de s'enfuir dans la vie de la plupart des gens qui m'écoutent. Vous aurez l'occasion de rendre témoignage. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des maladies qui sont en train de s'enfuir dans les corps. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, je sens la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Je sens le cœur en train de palpiter, en train de bouger, en train de battre très fort dans le cœur de quelqu'un. Et je ressens qu'une personne est en train de sentir une sensation divine dans son corps. Je ressens une onction qui est en train de traverser la vie de la plupart de ceux qui m'entendent. Et je suis convaincu que ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous humain et que c'est Dieu lui-même qui a programmé ce rendez-vous. La maladie qui te fatiguait est en train de prendre la fuite maintenant. Je l'ordonne au nom de Jésus. Je m'adresse à elle. Au nom de Jésus, maladie, sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ, libère la vie de cette personne qui m'entend. Écoute-moi, tu avais mal aux pieds, tu avais des douleurs dans les pieds, tu avais la difficulté de marcher, tu avais mal aux pieds, tu avais des douleurs dans les pieds. Les douleurs commencent dans les pieds jusqu'à ça va dans ta hanche. Tu as du mal à te déplacer. À l'instant où je suis en train de prier, tu sens une manifestation de l'onction de Dieu dans ton corps. Le bas de ton corps est envahi du feu du Saint-Esprit. Oh my God, c'est Karabashé, Katarabra, Kotorogo. Oh, ça va être fort ce soir.
L'onction de la guérison est en train de bouger dans ton corps. L'onction de la guérison est en train de se manifester. La maladie est en train de s'enfuir. Le mal est en train de se précipiter. Je vois les esprits de Marie de nuit qui sont en train de se précipiter et sortir dans la vie de plusieurs femmes. Je vois l'esprit de Marie de nuit en train de s'enfuir de la vie de plusieurs femmes. Je vois l'esprit d'échec en train de s'échapper de la vie de plusieurs personnes. Je vois l'esprit de blocage en train de s'enfuir de la vie de plusieurs personnes. Je suis venu proclamer ta restauration. Je suis venu proclamer ta délivrance. Je suis venu proclamer ton miracle. Maintenant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu sens une sensation sur toi maintenant. À partir de ta tête, tu sens comme une huile en train de couler, comme si on te versait de l'huile sur la tête. Et cette huile est en train de couler. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui vont recevoir des gouttes d'huile dans les mains. Il y a des gens qui vont recevoir des gouttes d'huile dans leurs mains. Sans avoir touché une bouteille d'huile, tu vas recevoir des gouttes d'huile dans ta main. Tu vas sentir dans ta main comme si on avait mis de l'huile. Tu vas sentir des sensations comme si on avait mis de l'huile dans ta main. Il y a des manifestations qui ont commencé. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est en train d'agir. La gloire de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir. Il y a des personnes qui m'écoutent ici, qui ne dorment pas bien la nuit. La nuit, elles sont poursuivies. La nuit, elles sont pourchassées. Dans leur sommeil, elles sont poursuivies. Elles sont pourchassées. Parce que l'esprit de mort, l'esprit de mari de nuit, l'esprit des femmes de nuit vient les fatiguer la nuit. Oh my God! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité en cet instant. Je prends autorité en ce moment. Je condamne tout esprit de destruction, tout esprit de mort, tout esprit infernal qui est en train d'agir contre ta vie. Je bouleverse toute œuvre satanique. Je bouleverse toute œuvre démoniaque dans ta vie à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es arrêté dans la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Là où tu es arrêté dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Écoute-moi bien. Tu ne vas plus reculer. Tu ne vas plus reculer. Tu n'iras plus en arrière. Tu ne vas plus tourner en rond. J'ai dit que tu ne vas plus en arrière. Tu ne vas plus tourner en rond. Je dis tu ne vas pas en arrière. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu vas maintenant aller en avant. Tu vas aller de grâce en grâce. Tu vas aller de bénédiction en bénédiction. Tu vas aller de restauration en restauration. Écoute-moi très bien. Si trois personnes t'ont quitté, Dieu te donne sept personnes. Dieu te donne sept personnes à leur place. Si sept personnes t'ont quitté, Dieu te donne 14 personnes à leur place. Si 14 personnes t'ont quitté, Dieu te donne 24 personnes à leur place. Si 24 personnes t'ont quitté, Dieu te donne 77 personnes à leur place. Si 77 personnes t'ont quitté, Dieu te donne des centaines de personnes à leur place. La grâce qui t'avait quitté est en train de changer de direction. Elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour. Elle ne vient plus toute seule. Elle prend d'autres grâces avec elle. Elle vient vers toi. La bénédiction qui t'a quitté est en train de faire demi-tour pour revenir à toi. L'honneur qui t'a quitté est en train de faire demi-tour pour revenir à toi. La Bible déclare que Dieu dit, vous êtes né pour être béni. Vous êtes né pour être prospère. Vous êtes né pour être puissant. Vous êtes né pour voir la gloire. Vous êtes né pour dominer. Vous êtes né pour régner. À partir de maintenant, retrouve ta grâce, cette grâce que tu as perdue. Retrouve ce bonheur que tu as perdu. Retrouve
Oh, cette bénédiction que tu as perdue, que la lumière te localise, que la lumière t'environne, que de la tête aux pieds, tu sois environné de puissance, tu sois environné de gloire, à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi, que la puissance de Dieu t'environne. Je ne sais pas pourquoi, je viens de recevoir une vision. Je vois quelqu'un en train de pousser énormément de cheveux. Et les cheveux comme Jean les Rastaman, beaucoup de cheveux. Et l'Esprit de Dieu me dit, la bénédiction est en train de pousser dans la vie d'une personne. L'Esprit de Dieu me dit, tu étais chauve spirituellement, mais la bénédiction est en train de sillonner, de pousser dans ta vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu va changer la situation. Une personne est en train de m'écouter pour dire Amen. Le diable a vu ton étoile. Et les ennemis ont vu ta grâce. Ils ont voulu t'empêcher de vivre dans cette grâce. Ils ont voulu t'empêcher de voler dans cette bénédiction. Ils ont voulu stopper ton étoile. Mais je suis venu t'annoncer à ma parole de ouin de Dieu, à ma parole de prophète des mystères, qu'aujourd'hui même, ce qui était mort est en train de revivre. Ce qui était mort est en train de revivre. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui likent ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent ce direct. Et que le Seigneur multiplie leur bénédiction par rapport à leur nombre de partages et de likes. Que le Seigneur multiplie leur bénédiction par rapport à leur nombre de likes et de partages. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent leurs doigts pour toucher leur téléphone, pour partager ce direct, pour liker ce direct, ceux qui participent à ce direct, que Dieu multiplie encore leur grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a un enfant malade? Je ne voulais pas commencer ainsi le direct, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. J'ai vu un enfant couché, un enfant malade et une maman inquiète. Est-ce qu'une femme est en train de m'écouter ici qui a un enfant malade en ce instant? Est-ce qu'il y a une maman ici qui a son enfant malade? Je ne vais pas insister sur les paroles de connaissance parce que lorsque je les ai reçues, je sais qu'elles viennent de Dieu. Et je ne vais pas commander qu'une personne puisse dire ce qui est en train de se passer dans sa vie. Une maman en ce moment est inquiète parce que son enfant est malade. J'ai reçu la vision tout à l'heure, un enfant couché, un enfant malade, une maman inquiète. Alors, si tu es cette maman, j'aimerais que déjà tu marques le commentaire, il s'agit de moi. Si tu es cette maman, deuxième des choses, si tu peux appeler sur mon téléphone, mon WhatsApp, appelle en cet instant. Je vais prier là maintenant pour la guérison de cet enfant. Je viens d'annoncer qu'une maman est inquiète parce que son enfant est malade. Alléluia. Une maman est inquiète parce que son enfant est malade. Elle peut appeler maintenant. Voilà. Dépêchez-vous. Je sens une onction qui me fatigue vraiment ce soir. Je sens que des choses extraordinaires vont se passer. Si cette maman est là, elle peut appeler. Elle laisse d'abord un commentaire, si elle peut, et elle appelle. Voilà. Si cette maman est là, elle peut appeler. Je vais prendre quelque chose, excusez-moi. Ok. Nous allons continuer. La maman qui a son... J'ai tendance de voir, quand je finis de donner des prophéties, des paroles de connaissance, que des gens appellent après pour dire, Bishop, il s'agissait de moi. Bon, quand c'est pendant un direct comme ça, c'est mieux que vous intervenez en même temps. Parce que, après le direct, l'homme de Dieu est fatigué, il passe à autre chose. Donc, l'onction qui l'animait, pendant qu'il parlait, ne peut pas agir
comme quand tu l'appelles après. Voilà. Donc, peut-être que vous voyez ça d'une manière décalée chez vous, mais je répète, j'ai vu un enfant couché tout à l'heure, un enfant malade. Tu es une maman, ton enfant est malade. Tu sais que la santé de ton enfant a commencé à t'inquiéter. J'ai vu un enfant couché, une femme. Je ne parle pas d'une femme blanche, je parle d'une femme africaine. Appelle maintenant, laisse déjà ton commentaire, appelle maintenant, on va prier. En attendant, pour gagner du temps, parce que le temps va très vite, je vous demande, nous allons lire deux passages aujourd'hui, je vous demande à tous les autres de prendre leur Bible dans le psaume, simplement le psaume 23. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Voilà. Si cette maman est là, elle va maintenant surgir. Tu peux appeler à n'importe quel moment. Voilà. Psaume 23. Psaume 23. Que Dieu bénisse tous mes administrateurs. Que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels. Que Dieu bénisse tous ceux qui veillent, qui soutiennent mon ministère. Que Dieu bénisse. Quelque chose va se passer pour vous. En cette fin d'année, vous tous qui avez béni le ministère, vous tous qui avez soutenu le ministère, quelque chose va se passer pour vous. En cette année, Dieu, cette fin d'année, Dieu fera quelque chose pour vous. Et je crois que l'année qui arrive sera une année de grâce. Tout esprit de mort qui cherche à rentrer dans votre vie, dans votre famille, est paralysé. Voilà. Donc, je répète pour une dernière fois et je vais lire mon psaume. J'ai vu un enfant malade, une maman. Ce n'est pas un bébé. Hein. Ce n'est pas un bébé que j'ai vu malade. Un enfant. Un enfant malade. Un enfant, je ne sais pas si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, si c'est 5 ans, si c'est 6 ans. J'ai vu un enfant couché. J'ai vu une maman inquiète. Alors, j'ai répété plusieurs fois. Donc maintenant, je continue mon direct. Que Dieu vous bénisse. Psaume 23. Si vous avez le psaume 23, soyez connectés avec moi. Alors, lisez avec moi le psaume 23. Nous allons le lire trois fois pour commencer les prières dans ce direct. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous répétez chez vous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une deuxième fois. Récitez comme si vous étiez en train de prier. Cette femme m'inquiète. Cette femme m'inquiète, c'est pourquoi j'ai un téléphone à côté, j'arrête pas de regarder pour voir si elle va se manifester parce que j'ai vu un esprit de mort sur cet enfant. Donc cette femme m'inquiète. C'est pourquoi je ne fais que regarder mon autre téléphone pour voir si elle va se manifester ou si elle va appeler. Voilà. Donc, deuxième fois, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une coupe en face de mes adversaires.
Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je demande aux administrateurs de marquer mon numéro de téléphone pour ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être que cette personne est nouvelle sur le direct. Peut-être que cette personne, c'est la première fois qu'elle est sur le direct. Elle ne sait pas comment appeler. Alors, je demande aux administrateurs de marquer mon numéro WhatsApp sur le direct. J'aimerais que cette personne aussi puisse, si elle sait manipuler son téléphone, laisser au moins un commentaire pour dire qu'il s'agit d'elle, pour que nous puissions la connaître. Troisième fois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une coupe en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Nous allons commencer à rentrer dans les choses sacrées. Je vais commencer à prier pour vous. Pendant que je prie, je vous demande de prendre votre bouteille d'eau. Mais ne l'ouvrez pas. N'ouvrez pas votre bouteille d'eau. Prenez-la, mais n'ouvrez pas votre bouteille d'eau. Nous allons commencer les choses sacrées. J'ai peur que quelqu'un m'appelle pour m'annoncer un malheur plus tard. C'est ça qui m'entend de m'inquiéter. J'ai tendance à m'inquiéter beaucoup pour les gens. Alors, prenez votre bouteille d'eau. Nous allons prier. Alors, vous n'ouvrez pas votre bouteille. Pour commencer, vous n'ouvrez pas du tout la bouteille. Prenez-la juste. Pour cette première prière que je vais faire, je veux que ta bouteille d'eau soit juste dans ta main. Voilà. Alors, je vais prier. Après cette prière, je vais laisser un moment tranquille pour ceux qui veulent appeler pour un témoignage ou pour un sujet de prière. On va prendre juste 20 à 25 minutes. Si c'est trop, 30 minutes. Et après, on va passer à une autre dimension. Voilà. Donc, je prie pour vous. Prends ta bouteille d'eau dans ta main. Tu n'ouvres pas ta bouteille. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de bénéficier de ta présence. La Bible déclare que il y avait des malades autour de la piscine de Bethsaida et un ange venait remuer l'eau. La première personne qui tombait dans l'eau lorsque l'ange a remué l'eau recevait son miracle, recevait sa guérison. Père, aujourd'hui, nous sommes autour de cette piscine. Chacun de tes enfants qui m'entend a pris de l'eau entre ses mains. Cette eau n'est plus de l'eau. Cette eau est ta grâce. La Bible déclare qu'au bord de cette piscine, toi Jésus, tu t'es rendu auprès d'un homme couché depuis 28 ans et tu es allé lui ordonner de se lever, de prendre son lit et de marcher.
Père, le miracle se trouve avec l'eau, le miracle se trouve auprès de l'eau. Que cette eau qui est entre les mains de tes enfants à cet instant ne soit plus de l'eau. Que ce soit une force, que ce soit une puissance, que ce soit une énergie de miracle, que ce soit une énergie de restauration, que ce soit une énergie de délivrance. Je prie que cette eau soit en accord avec moi, que l'ange qui veille sur l'eau soit là, à ce moment précis, pour déjà bénir cette eau, que pendant que nous faisons ce direct, cette eau soit activée, elle soit remplie de force, elle soit remplie de miracles, elle soit remplie de solutions, pour que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que lorsque je vais maintenant donner, Seigneur, l'action, lorsque je vais donner le point final, toute personne qui boira son eau reçoive son miracle et reçoive son exaucement. Il est écrit dans ta parole, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Nous croyons que rien ne nous manque aujourd'hui. Nous croyons que même si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Nous croyons que tu oindues notre tête et la coupe déborde. Nous croyons que le bonheur et la grâce nous accompagnent et nous accompagnera tous les jours de notre vie. C'est pourquoi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ces bouteilles d'eau et bénis ce moment pour la gloire de ton nom. Amen. Maintenant, pour ne pas que ça soit trop tard, parce qu'après, j'ai un message, j'ai un moment de prière avec vous. Nous allons vraiment passer un moment formidable aujourd'hui. Vous allez voir que le temps va passer très vite. On a commencé, il est déjà 23h47. Ça veut dire qu'il est déjà presque minuit. Vous allez voir que 1h du matin va arriver tout de suite. Ça va même vous étonner. Parce que quand la présence de Dieu est là, on ne sent même pas le temps avancer. Donc, nous allons prendre quelques appels. J'aimerais que vous soyez bref. Appel de témoignage surtout. J'aimerais bien que ça soit des témoignages. Et s'il y a un sujet de prière urgent, vraiment urgent, et que la personne veut quelque chose d'urgence, là, la personne peut aussi appeler. Alors, je répète encore pour cette femme. Je répète encore, ce que je suis en train de me demander, c'est que est-ce que la personne a la possibilité d'appeler? Parce que souvent, quand les gens suivent les directs, il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, dans des pays comme les pays africains, on achète des passes. Et la personne se retrouve avec un téléphone, elle a mis un peu la connexion pour pouvoir suivre le direct. Et je ne sais pas, souvent, ce n'est pas la même chose. Nous qui sommes en France, on a les connexions vraiment facilement. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que cette personne-là, dont Dieu me parle, a la possibilité même d'appeler là, en ce moment? Parce que je ressens ce sujet, il est très fort. Et quand quelque chose fatigue mon esprit comme ça, je ne peux... Voilà. Alors, je vais déjà commencer à prier pour cette femme. Je crois que Dieu est souverain. Alors, je donne un conseil à cette personne. Si tu es en train de suivre le direct avec ton téléphone, et que tu ne sais pas comment faire pour appeler, j'aimerais que tu coupes le direct et que tu appelles. Après, tu vas reprendre le direct. Allô? Allô? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle. Ne quittez pas, hein. Allô? Oh là là, il y a quelqu'un qui appelle, hein. Appelez par WhatsApp, ce serait mieux, s'il vous plaît. Oui, papa. Allô? Oui, papa, c'est ma fille qui est malade tout à l'heure. On m'a appelé d'Abidjan. Oh.
Eh Dieu, tu as vu que j'ai insisté, insisté, Oui, insisté, papa, je insisté. n'avais pas le numéro, je n'avais pas, donc il fallait prendre le numéro pour t'appeler, Oh vraiment. mon Dieu. Tu as vu que j'ai bien fait d'insister parce que j'ai vu l'enfant malade. Elle a quel âge à peu près? Bon, elle est grande, elle a même enfant. Moi, j'ai vu, elle est grande. Oui. Mais pourquoi Dieu m'a donné l'image d'une petite fille? Parce qu'elle est malade, elle a sa fille aussi qui est malade. Il doit aller m'appeler d'Abidjan. Faut m'expliquer ça. Sa fille a quel âge? Ma fille, elle est Non, née. la fille de ta fille. Elle a 2 ans. Tu vois? Il y a un esprit de mort qui est en train de rôder là. Au nom de Jésus, je Si tu résiste. vois, j'ai insisté, jusqu'à même c'est comme si ça me rend malade. J'insiste, 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 j'insiste. Je voulais passer à autre chose, mais je ne peux pas. Je ne fais que insister, insister, Oh, papa. insister. J'ai vu une petite fille coucher. Ma carabra cachée qui était là. En fait, ce que je suis en train de recevoir, c'est que la maman subit l'attaque qui était destinée pour sa fille. De Seigneur. sorte que c'est l'enfant même de ta fille qui est visé même. C'est Alléluia. l'enfant même, l'enfant même, l'enfant des deux. Parce que moi j'ai vu une petite fille, je n'ai pas vu une grande fille, c'est l'enfant qui est visé. Et cela est en train d'agir sur la maman elle-même. Pendant que je parle, j'ai comme la chair de poule. Pendant que je parle, je ressens, mais je vois, je suis en train de recevoir une vision où je vois une réunion. Amen. Je vois une réunion. Ils sont ici, Je vois des personnes. Je vois des personnes. Je vois, ce sont des vieilles personnes. Je vois des femmes. Je vois des hommes. Ils ont attaché des pailles. Les femmes, elles ont attaché les pailles jusqu'à là. Elles sont même vieilles. D'autres même latérales. Les peaux, tu te demandes, elles sont vieilles. Je suis en train de les voir entourées, en train de faire une réunion pour dire, en fait, oh, ils sont en train de chercher la proie pour la fin de l'année. c'est Ils vrai, sont en hier. train de chercher la proie pour la fin de l'année. C'est Et vrai, chez hier. Kapako et ils ont décidé et ils ont choisi, ils ont décidé de s'en prendre à ta petite fille. C'est la petite fille qui les intéresse. Ah, C'est la c'est même. chair de la petite fille qui les intéresse. C'est l'âme de la petite fille qui les Ce n'est pas intéresse. d'enfant ou c'est Moka même. lo Ce broko shika n'est pas d'enfant, c'est makata même. kasokori. Ce n'est pas d'enfant. Si tu n'appelais pas dans ce direct pour que nous prions. Oh Seigneur. Si tu n'appelais pas, Oh Seigneur. on allait t'appeler pour t'annoncer des mauvaises. On vient de t'appeler aujourd'hui pour te dire qu'ils sont malades. Oui, tout le monde est malade, le fils ou le garçon ou la fille ou ma grande-sœur Ah! hier disait qu'elle ne peut pas aller seule, elle attend quelqu'un pour l'accompagner. C'est carabracassé que t'es réguéché. Il lui a dit, tu vas partir seul, tu partiras pas avec quelqu'un. Makoro, t'as quoi? T'as dit quoi, ta grande sœur? Oui. La sorcière est en train de mourir, elle dit qu'elle ne va pas seule hier. Ah, ta grande sœur est malade. Et tu reconnais que c'est une sorcière. Et elle veut s'échanger avec la petite fille. Et puis, il y a des associés qui sont autour qui disent, bon, écoute, ah, mais Karabaché, tu habites, tu es où? Tu es où? Tu es où en France? Tu es où? Si la bois Colombe, c'est Et... moi qui t'avais appelé un jour, j'ai pleuré, j'ai perdu mon mari et puis tu m'as consolé, là c'est moi. My God, écoute-moi très bien. Cette fois-ci, ils ne pourront pas t'enlever ton bonheur. Est-ce que tu es quoi? Tu es dans un appartement ou tu es dans une maison? Je suis dans un studio. Oh, c'est pas grave. Est-ce que Attends. là, en ce moment-là, si je te demande de prendre de l'eau dans une cuvette, dans un verre, pour que je Oui, je peux prie prendre. dessus pour que tu jettes au dehors, est-ce que tu as Oui. la possibilité de le faire? Si, à l'étage, je vais passer à la fenêtre derrière la Chez grand-mère. Camara Breco, prends quelque chose, prends de l'eau tout de suite, prends l'eau. On va faire le retour à l'envoyeur tout de suite même. Avoir fait le retour à l'envoyeur. Ma préca sam délégué, Chikarabra Kotologo. Zekare Kamaya. Il est ma broko si kan délégué.
Shakarabre ko sande de ge si karabashi kadaba. Zo karabashi karabashi karamasu. Tialo, tialo, tialo. Tialo. Non, mais qui? C'est dans quoi? Un verre? Dans ce pied. Ok, très bien. Tu as mis dans une soupière, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu me vois là dans le direct? Non, non, non. Tu as... c'est pas avec un chose, il ne sait pas faire WhatsApp. Là. C'est donc, pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que j'ai expliqué même et puis tu as appelé. J'ai dit peut-être que la personne regarde le direct avec le téléphone et la personne ne sait pas comment faire pour appeler. Dieu merci, tu as appelé. Regarde, écoute-moi. La soupière là, que tu as mis ta main dedans là, que tu as mis l'eau dedans là, plonge ta main. Tu plonges un coup comme si tu tapais quelque chose. Tu plonges un coup et puis tu enlèves. Tu dis au nom de Jésus. Comme si tu tapais quelque chose. Fais-le une deuxième fois. Au nom de Jésus. Fais-le une troisième fois. Au nom de Jésus. Maintenant, tu montes ton doigt comme ça à l'eau. Tu mets ton doigt comme si tu étais en train d'indesser quelqu'un. Tu pointes ton doigt dans l'eau. Et puis tu déclares avec moi. Cette eau est le feu que je lance sur la vie de mes ennemis, les ennemis de mes enfants. Cette année, je refuse. Tu m'as devancé. Je refuse la mort. Je refuse la mort cette année sur mes enfants. Dans ma famille. Ma sois précise, sois. Faut m'écouter seulement, faut pas me devancer. Je refuse la mort dans ma famille. Je parle à cette eau. Je l'ordonne au nom de Jésus. Dès qu'elle touchera la terre, qu'elle frappe, tous les ennemis de ma vie. De mon enfant, de mes petits-enfants, au nom de Jésus, cette eau est le retour à l'envoyeur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as dit celle à côté de toi. Prends le sel. Prends juste une poignée. Jette-moi ça dans cette eau. Tu as jeté? Prends ton temps. Sois tranquille. Prends le sel. Jette-moi un coup dans cette eau. Dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Maintenant, tout de suite même, avant de recommencer à regarder le direct. Avant de commencer à regarder le direct, est-ce que tu as une Bible à côté de toi? Oh, d'accord, c'est pas grave. Donc, laisse tomber la Bible avant de regarder le direct. Quand je vais couper l'appel, il faut dire tout ce que tu as dans ton cœur. Si même il y a des gens, tu connais leur nom, ce sont tes ennemis, tu sens des choses, tout, tu dis tout. Quand tu as fini, cette eau que tu viens de prier dessus là, tu jettes d'une manière violente au dehors et tu, en jetant, tu dis votre malheur retourne contre vous. Amen. Et tu lances ça. Tu jettes ça. Oui, je suis à l'étage au quatrième. Tu jettes et puis tu reviens maintenant regarder le direct. Merci, papa. Sois béni. Et je n'ai pas fini. Est-ce que tu peux joindre ta fille après? Je ne sais pas si elle n'a pas fermé le téléphone parce que tout à l'heure, elle chauffait tellement qu'on lui dit qu'elle n'a pas touché le téléphone. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'elle qui peut te contacter? Non, non, non. Elle est avec les enfants. D'accord. Avec ton fils. D'accord. Je vais prier pour qu'elle-même t'appelle.
si jamais elle-même te recontacte, dis-lui de prendre un peu d'huile, un akase ouen, même si ce n'est pas de l'huile d'olive, même si ce n'est pas de l'huile consacrée. À partir du moment où j'ai déclaré, ça va s'accomplir. Elle prend un peu d'huile, elle se met, elle se ouen sur le front, elle ouen son enfant, elle ouen les autres. Dis-lui, si elle a du sel à la maison, si elle a la force de se rincer là, elle n'a qu'à faire un effort. Verser du sel dans l'eau et se rincer. Verser du sel dans l'eau et rincer son enfant. Même si ce n'est pas pour se laver beaucoup, beaucoup, hein, juste se rincer un peu avec ça. Donc tu lui dis ça. Après, tu me laisseras le témoignage. Si il y a un miracle là pendant le direct que tu veux appeler après 20 ans, tu veux, tu peux, sinon prochainement, ou bien tu me laisseras un audio. Ce n'est pas un problème. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'avoir cette parole de connaissance. Ce n'est pas toi qui m'as donné cette révélation. Je ne savais pas. Tu comprends? Je ne savais pas. C'est Dieu qui connaissait ta souffrance. On vient de t'appeler pour te dire que tes enfants sont malades. Ta fille est malade, son enfant est malade. Or, c'est l'enfant même là. Si quelqu'un devait mourir là, c'est l'enfant, le bébé là qui allait commencer. Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu m'a montré. Donc, tu as appelé, pas parce que ce n'était pas prévu. Donc, Dieu qui t'a connu, Dieu qui sait, Dieu qui t'a vu, Dieu qui a vu cette épreuve, Dieu qui a vu cette souffrance et qui me l'a communiqué. Je te dis, au nom de ce Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, le malheur n'arrivera pas dans ta maison. Ce sera le retour total à l'envoyeur. Cette personne qui ne veut pas mourir, qui veut se faire remplacer, ira. Tous ceux qui sont ses complices, qui agissent avec elle, seront foudroyés, frappés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Amen. Et puis, c'est demain, on enterre même mon grand frère. On lui dit, bon, fais veiller. Sois béni. Du courage. Merci, papa. Dieu a vu ta souffrance. Tu as déjà souffert une fois. Il ne voulait pas que tu souffres. Tu vois comment Dieu est rempli de compassion. Oui, papa. Merci. Parce que j'étais en train de dire, oh, j'ai peur que quelqu'un m'appelle pour annoncer la mort de quelqu'un. Mais Dieu t'aime tellement. Amen. Il ne veut pas, à partir d'aujourd'hui, il faut te dire que Dieu t'aime beaucoup. Oui, papa. Quel que soit tout ce qui va t'arriver, il faut te dire que Dieu t'aime beaucoup. Parce que tu allais avoir un malheur là, à la fin de cette année. Merci, papa. De rien. Que la grâce soit avec toi. Tu finis ce que je t'ai dit. Et tu continues de suivre le direct. Oui, tu laisses ta bouteille d'eau à côté et ton un peu de d'huile à côté et arrête de pleurer. Ne pleure plus. Merci. Ne pleure plus. Ton miracle est déjà fait. Faut même pas pleurer. Réjouis-toi plutôt. Ce sont tes ennemis qui doivent pleurer maintenant. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. De rien. Vous voyez, l'Esprit de Dieu ne parle jamais en vain. Certaines personnes sont là souvent qui pensent que je vais vous prendre dans 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais vous prendre dans 2 minutes. Je vais vous prendre dans 2 minutes. Je vais juste souffler un petit peu. Il y a quelque chose de très fort qui vient se dégager en moi. Je vais, permettez-moi, donnez-moi juste 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Ceux qui, il y a une personne qui appelait, permet 2 minutes seulement. Merci, Saint-Esprit. Père, merci pour la sarka, la chèque. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Shit.
koshe ki tarabra koshe. Alléluia. Baraba she ki koshe tarabra koshe. La koshe tarabra koshe. Ok. Ok. Il y a une personne qui a appelé tout à l'heure. Je vais la rappeler. Je vous accorde un petit temps pour appeler. Témoignage. Témoignage, 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 jeu de prière. Et après, on va passer. Allô? Allô, shalom. Ah oui, allô, shalom, papa. Oui, bonsoir, shalom. Allô? En fait, moi, j'appelle pour... Oui, allô, papa. Moi, oui. J'appelle pour rendre un témoignage et puis en même temps proposer aussi un sujet de prière. Il n'y a pas de souci, on t'écoute. En fait, moi, bon, mon témoignage est un peu longtemps, mais je tenais quand même à rendre ça parce que depuis lors, j'ai pas pu suivre vos directs. Une nuit, je me sentais pas bien, j'étais malade et puis je vous ai appelé. Vous avez prié et l'eau avait rougi, tout ça. Et ça a commencé à aller. L'eau ça avait envie de manger. Faut aller doucement. Allô, faut pas te presser, faut aller doucement. Ça va aller. Allez doucement. Je sais que souvent je vous mets la pression. Je sais que souvent je vous mets la pression. C'est de ma faute. Mais il faut te prendre ton respire. Doucement, ça va aller. Donc tu disais que. D'accord, merci papa. De rien. Tu disais que. Oui, j'étais malade, je peinais même à respirer. Et puis, ça a coïncidé avec votre direct, et puis je vous ai appelé. Donc, quand je vous ai appelé, vous m'avez briefé un peu, et puis vous m'avez dit de prendre de l'eau, vous allez prier. Donc, j'ai pris l'eau, vous m'avez demandé de fixer l'eau, et que vous allez prier. Et quand j'ai fixé l'eau, l'eau a viré de la couleur normale à la couleur rouge. Wow. Et vous m'avez demandé de boire. Et j'ai bu cette eau-là. Quand j'ai bu cette eau, ça allait. Vous m'avez dit de manger, que ça allait passer. Donc, j'ai dit OK. Donc, quand j'ai mangé, c'est passé et tout. Et je suis allée me coucher vers 2h. Vers 2h du matin, ça n'allait pas. J'avais mal partout, ma hanche, pour marcher, mais j'avais des problèmes. Donc, j'ai fait les quatre pattes. Ça n'allait toujours pas. Jusqu'à vers 3h comme ça. Je n'arrivais pas à marcher. Donc, j'ai prié un peu. Et puis, j'ai pris l'huile, j'ai mis sur moi, je me suis couchée. Donc, quand je me suis couchée, il y a, en tout cas, je ne sais pas si elle dit que c'est une armée, mais en tout cas, un groupe de personnes, ils étaient nombreux, ils sont venus pour se bagarrer. Mais je ne sais pas où vous êtes sortis, mais vous étiez avec moi et vous avez combattu avec moi. Et on a combattu ces gens-là. Et quand on les a combattus, je me suis réveillée en sursaut. Quand je me suis réveillée en sursaut, j'ai commencé à transpirer. J'arrivais pas à marcher, j'ai tremblé. J'avais perdu même l'usage de mes jambes. Je ne pouvais pas marcher du tout. Même pour faire les quatre pattes, même c'était un problème. Jusqu'à ce que j'ai une maman là qui m'appelle. Elle a appelé pour causer avec quelqu'un d'autre depuis. Comme ça ne passait pas, donc elle a fait mon numéro. Donc, elle m'entendait en pleurs et puis elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle a dit non, que je ne me sentais pas bien. Puis elle est venue. Elle aussi, c'est quelqu'un qui prie beaucoup aussi. Donc, je lui ai relaté les choses qui se sont passées. Puis elle m'a dit ah, que Dieu a déjà fait. Amen. Que ça va passer. Et quand elle a dit ça, on a attendu un peu. J'ai pris quelques médicaments. La vérité, les médicaments n'ont rien fait. Mais après qu'elle ait dit ça, après la prière et tout, quand je me suis couchée, je me suis réveillée. Je me suis couchée vers 11h, je me suis réveillée à 17h, mais quand je me suis réveillée là, c'était comme si je blaguais quoi. Je pouvais courir même. Wow. Ici, je sais pas quelle distance, tout était au top. Ça dit que il fallait que je rende ce témoignage là, mais malheureusement, à chaque fois que vous êtes indiqué, ça vient trouver que je suis au travail. Bon, comme je travaille chez les gens, je peux pas. Excuse-moi. Et tout. Excuse-moi. Donc, ça fait combien de temps? Je m'en souviens pas. Ça peut faire 2 mois. Hein. Deux mois. Ah oui.
Wow. Ça fait 2 mois. 2 mois. Ça fait 2 mois. C'était pendant que j'étais en retraite alors. Non, 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 c'était avant la retraite. C'était avant la retraite. Ok, donc c'est plus que 2 mois. Avant la retraite. Mais tu, ce matin, j'entends ce témoignage. Tu m'as même pas laissé un audio, quelque chose comme ça pour. Parce qu'il avait dit que. Parce que c'était prévu que je rende le témoignage la semaine qui suit. Mais la semaine qui suit, là, du coup, je suis allée. Parce que comme je travaille chez les gens souvent, je vais en voyage avec eux, souvent ils dorment là-bas aussi. Donc, ils ne peuvent pas utiliser le téléphone. Mmh. Ah, tu es dans quel pays? Je suis au Maroc. Ah, tu fais le ménage chez des gens. Donc, bon. Chez des gens. L'emploi du temps oui. N'est pas, tu dépends pas trop de toi-même. De moi-même. Ok. Donc à chaque fois que on fait les directs, c'est comme voilà, si ton c'est... emploi du temps, ton temps, puisque tu travailles chez les gens, te permettait pas de suivre le direct. Voilà. Ouais, mais tu aurais pu quand même, quand tu avais un petit temps comme ça, me laisser juste un petit audio pour que je remercie Dieu pour toi. C'est vrai, le papa, tu as raison, papa. Tu aurais dû, mais tu aurais dû même faire ça et puis même m'envoyer une petite offrande aussi. Oui, papa, non, ça, c'est clair. Ça, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Quand d'autres me donnent pas, Dieu passe par d'autres me donner. Donc, moi, je me fatigue pas pour ça. Mais je suis content de ton témoignage. Et. Je suis impressionné. Tu as dit que l'eau a changé de couleur. C'était devenu rouge. Oui, c'était devenu rouge. Mais la couleur rouge te rappelle quoi? Le sang du Christ. En fait, je ne connais pas trop la parole parce que je suis nouvelle. Oui, mais c'est ça. Tu l'as déjà dit. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. La couleur rouge, là, c'est le sang de Jésus. Non, je suis content. Tu as été... Et depuis lors, tu as... Ah. Non, c'est fort. Donc, tu étais en train, tu n'arrivais pas à respirer. C'est comme si tu étais en train de mourir. Hein. Et puis, tu m'as appelé d'urgence. Oui, et puis, vous appelez. Et puis, vous avez prié. J'ai bu l'eau, ça allait. C'était pendant un direct? Oui, c'était pendant un direct. Ok, je suis en train de me souvenir. Je suis en train... Tu avais appelé d'urgence dans un direct? Oui. Ok. Ok, je vois. Waouh, ça fait un moment quand même. Hein. Oui, papa. Ok, vraiment, on va remercier Dieu d'abord avant que tu donnes ton sujet de prière. D'accord. Notre Dieu, El Shaddai, je veux te donner toute la gloire. La gloire est à toi. Je ne veux pas prendre cette gloire, je te la remets. Merci pour le miracle que tu as opéré dans la vie de ta fille. Merci parce que, Seigneur, tu as respecté ta parole. Tu dis, Seigneur, que tout ce que nous demandons, tu le fais pour nous. Tu dis, tout ce que nous demandons, tu le fais pour nous. Seigneur, c'est toi qui as agi. Et tu m'as utilisé comme un instrument pour agir dans la vie de ta fille. Père, je veux te rendre la gloire pour ce que tu as déjà fait. Et je veux te bénir. Je te donne toute cette gloire. Je te donne, Seigneur, cet honneur et que ton seul nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Excuse-moi, avant de donner ton sujet de prière, tu es au Maroc, tu connais quelqu'un en Europe? Oui, j'ai beaucoup de connaissances en Europe. Non, mais quelqu'un de précis qui t'est cher et qui te fait des promesses comme si la personne même cherchait à t'aider à sortir du Maroc et tout ça. Oui, j'ai ma tante. Et ma tante qui, bon, un moment aussi qui me faisait des propositions, elle voulait, elle a dit que, en tout cas, si elle pouvait, elle allait me ramener auprès d'elle pour que on puisse s'entraider et tout. Mais depuis un moment, elle aussi, son côté, c'est pas trop ça. Ok, laisse tomber ta tante. Est-ce qu'il y a un homme? Un homme? Oui. Non. Il n'y a pas un homme avec qui tu parles qui est en Europe? Non, non. Tu es marié? Bon, je ne suis pas marié, mais je suis avec quelqu'un. Non, on n'est pas marié. Tu vis avec la personne? Oui. Et j'ai même un petit garçon. D'accord. Ton mari, là,
Il cherche à aller en Europe. Oui, c'est lui qui cause avec des gens là-bas, c'est lui qui... D'accord. En tout cas, il fait Est-ce mes équipes pour est-ce pouvoir que l'aider. dans les conversations, il dit qu'il veut chercher à partir pour venir te faire, pour chercher à, après vous faire partir? Oui, il le dit. D'accord. Ok, je comprends mieux. Alors, maintenant, je ne sais pas si lui me suit ou bien m'a suivi, mais tu lui diras que ça va s'accomplir. Je t'ai posé la question parce que j'ai vu que le temps arrive où tu ne seras plus au Maroc. Je t'ai posé cette question parce que j'ai vu que le temps arrive où tu ne seras plus au Maroc. Et j'ai vu que c'est par le biais d'une personne, qu'une personne qui est attachée à toi, qui te coûte cher. Donc, Dieu va ouvrir donc certainement les portes à ton homme. Et de par lui, vous allez quitter ce lieu. Voilà. Maintenant, je voudrais écouter ton sujet de prière. C'est un peu dans ce sens-là aussi, moi. Ce jeu de prière, c'est là où je travaille, la dame m'avait fait des promesses comme quoi elle allait m'aider et tout, regarder ma situation pour que si on puisse se retrouver un peu, mais depuis un moment, elle parle plus de ça. Bon, moi aussi, comme elle avait dit ça là-dedans, j'ai fait tout un programme dessus pour pouvoir aider un peu la famille, pouvoir moi-même aussi avancer un peu, parce que depuis nous sommes là, c'est toujours les mêmes choses, c'est difficile en fait. Ok, allons doucement. Tu travailles avec une femme qui t'avait Qui m'avait fait promis des promesses. de régulariser ta situation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle m'a dit qu'elle allait m'aider, elle allait me faire une assurance, elle allait même m'aider à avoir une maison, et puis assurer la scolarité de mon fils et tout. Et puis après, elle n'a plus rien dit. Elle n'a plus rien dit. Elle a donné une Jusqu'au jour promesse, elle a donné une parole, elle n'a plus rien dit. où... Du coup, tu travailles toujours chez cette femme, Oui, je suis toujours chez elle. mais elle a oublié sa parole, sa promesse qu'elle t'avait faite. Elle parle même plus de ça. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est parce qu'elle a peur de te perdre? Parfois, j'y pense aussi. Parce Parfois, que j'y pense aussi. tu es une personne donc utile pour elle. Donc si elle te régularise la situation comme tu es en train de lui dire, ça quelque part elle risque de te perdre parce que tu auras une autre situation. Ça veut dire que tu seras libre de faire certaines choses. Donc c'est peut-être dans la crainte de te perdre. Non, mais papa, elle m'a dit, elle a été claire, m'a dit que ce qu'elle me demande, c'est ma loyauté, c'est-à-dire que je travaille avec elle. Oui, Tant mais que je travaille avec ça, elle. c'est la parole qu'elle a dite dans sa bouche. Ça, c'est la parole qu'elle a sortie de sa bouche. Mais dans son cœur et dans sa tête, quand elle a fini de parler, qu'elle s'est mise à réfléchir, ça, elle t'a pas dit la réflexion qu'elle a eue. Mais la parole qu'elle te disait pour te soulager, pour t'encourager, pour que tu travailles bien, c'est ce qu'elle t'a donné. Ok, tu veux quoi précisément? Passer une maison là, c'est bon. Là, si la dépense de maison qui est quittée sur ma tête, c'est bon. Là, au moins, il peut épargner. Donc là, tu as appelé parce que tu veux que cette femme te trouve une maison. C'est ça ton sujet. Ok. Cette femme doit te trouver une maison. Elle doit se rappeler des promesses qu'elle t'a faites. Pendant que je vais prier, je ne dis pas de dire son nom en public. Tu connais son nom, tu répètes doucement dans ton cœur, ou doucement, paisiblement, calmement, toi-même là-bas, tu répètes 3 fois son nom. Pendant que moi je prie, toi tu répètes 3 fois son nom, sans que j'entende, sans que personne n'entende. C'est entre toi et Dieu, d'accord?
Maintenant, je déclare que cette femme qui t'a employé, qui t'a fait des promesses, se souvienne des promesses qu'elle t'a faites au nom puissant de Jésus. Son cœur qui s'est endurci. Je prie maintenant qu'à l'instant où je suis en train de parler, de prier, il ait un déclic dans son cœur et qu'elle se rappelle qu'elle t'avait fait une promesse, qu'elle se rappelle qu'elle avait pris une décision pour toi. Je prie qu'à l'instant même, cette femme même se souvienne. La Bible déclare ceci. On devrait tuer Mardochée. Mais la nuit, le roi s'est couché et le roi n'arrivait pas à dormir. Et le roi a commencé à lire les archives. Et il s'est rappelé que Mardochée avait rendu un service à l'État. Et Mardochée a été honoré. Je prie que cette femme n'ait plus le sommeil. Pendant son sommeil, qu'elle se souvienne de toi. Quand elle pense, qu'elle se souvienne de toi. Quand elle réfléchit, qu'elle se souvienne de toi. Qu'à l'instant où je suis en train de prier, tu sois dans son esprit. Tu sois dans ses pensées. Et qu'elle se réveille et qu'elle te surprenne avec cette promesse qu'elle t'a faite. Dans le nom de Jésus, c'est fait. Amen. Amen. Il faut rendre les témoignages, hein. Même si c'est pour me laisser les yeux, il faut rendre les témoignages. Hein? Et puis, offrande là, il faut envoyer, même si ce n'est pas beaucoup, il faut envoyer. Tu appelles la secrétaire, elle va t'expliquer comment tu peux faire, même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un problème. Même si ça ne peut pas venir en France, on va t'expliquer comment tu peux le faire, ça peut partir ailleurs. Mais il faut faire les offrandes. Quand Dieu vous a béni, il faut le remercier avec les offrandes. C'est important. D'accord? D'accord, papa. Tu devrais mourir. Le Seigneur t'a donné la vie. Si tu mourrais là, tu allais faire quoi? Donc, offrande là, c'est la première des choses même que tu devrais faire pour remercier Dieu. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu es venu rendre témoignage. Déjà, je pense que tu as enlevé un fardeau sur ta tête. Je me demande même si ce n'est pas tout ça qui a bloqué, qui a endurci le cœur de cette femme depuis longtemps, où Dieu disait, toi là, tu n'es pas reconnaissante, je fais les choses pour toi, tu ne dis pas, donc tu vas voir, tu vas attendre jusqu'à, c'est quand tu vas retourner chez mon serviteur là, que la situation va se débloquer. Des fois c'est comme ça, hein. Mais c'est fait, c'est accompli, sois béni. De rien. Oui. Ah. My God. Bon, je pense que comme nous sommes à une veillée de prière, le temps, vous avez vu, je vous ai dit que le temps avance, non? On va arrêter les appels, on va passer aux choses sérieuses. Vous avez vu, il est déjà minuit 24. Ça veut dire que même, on va dire dans 30 minutes, on a fini notre direct. Souvent, on croit que on va tout rester là, on va s'ennuyer. Est-ce que quelqu'un s'est ennuyé dans ce direct? Le temps passe tellement vite. Moi-même, je me demande, j'ai l'impression que je viens à peine de m'asseoir. J'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer le direct. Pourtant, j'ai encore rien fait. Prenez votre Bible. On va lire notre passage, on va passer à autre chose. Prenez votre Bible dans Genèse. Genèse, le chapitre 32. Genèse chapitre 32. Sois béni, Garance. On a dit 1h du matin. 1h du matin est déjà arrivé. Moi-même, là, je suis là, je me dis, mais pourquoi on n'a pas allé jusqu'à 2h même? Là, c'est déjà arrivé. Genèse chapitre 32. Imaginez si 5 personnes, 6 personnes avaient appelé. C'était déjà fini le direct. Donc, Genèse chapitre 32. On va lire à partir du verset 24. Genèse 32. À partir du verset 24. Sois béni, mon fils Seripa. J'écoute les conseils de mon fils. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Minas Bishop Melchisedek.
votre serviteur. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent sur le direct. Je suis votre serviteur, le bishop Melchizedek, le ministre Melchizedek. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous rappelle aussi que nous avons notre site qui est www.3fois.milliardsdefrance.net. Voilà. Et sur notre site, on a une boutique. Il y a des savons consacrés, de l'huile consacrée, du sel consacré. Il y a beaucoup d'éléments d'action prophétique sur le site, dans la boutique. Vous pouvez faire vos achats. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, nous allons commencer les cours bibliques aussi dans le site. Vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir des enseignements, des formations. Parce que cette année, je vais consacrer beaucoup de personnes. Cette année, je vais consacrer des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est l'ordre que Dieu m'a donné cette année. Cette année, je vais libérer l'onction sur la vie de beaucoup de personnes. Il y a des femmes qui vont servir Dieu. Il y a des hommes qui vont servir Dieu. Je vais impacter des gens avec l'onction prophétique cette année. Je vais même impacter des pasteurs. Dans leur église, ils sont là, ils sont pasteurs, mais ils ont besoin d'une grâce prophétique. Dieu, cette année-là, c'est ce qui va se passer. Donc, beaucoup de gens seront consacrés. Beaucoup de gens vont avoir des diplômes après la consécration. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. On en parlera tranquillement plus tard. Ce n'est pas le sujet dans ce direct. Comme le temps avance, on va essayer d'avancer aussi. Genèse chapitre 32, verset 24. Il est écrit, « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Que Dieu vous bénisse. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mis ce passage à cœur pour ce moment que nous sommes en train de traverser. Avec ces versets, on peut prêcher plusieurs messages. On peut prêcher le message de la persévérance, on peut prêcher le message du courage, on peut prêcher qu'on appelle, lorsque Dieu localise quelqu'un pour le bénir, quelles sont les étapes que la personne peut traverser. Il y a plusieurs. Mais moi, ce soir, je ne peux pas, en ce instant, je ne peux pas prêcher tout ce qui se trouve dans ce passage. Parce qu'il y a trop de messages dans ce texte. Il y a trop de messages. Si on veut prêcher sur tous les messages qui sont dans ce texte, on a au moins une heure et demie de messages. Parce que, au minimum, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. À partir du premier verset, on dit « Jacob demeura seul ». C'est un enseignement. Hein? Alors, il lutta avec lui, avec un homme, jusqu'au lever de l'aurore. C'est un enseignement. Il y a tellement d'enseignements dans ce passage. Donc ça, c'est voilà. Mais je voudrais ce soir sortir quelque chose de ce passage pour vous, pour que nous puissions prier ensemble. Ce que je vais sortir de ce passage, je vais te poser. Je ne vais pas prêcher comme si c'était sur une chaire. Je ne vais pas prêcher comme si c'était sur une escalade avec un micro à la main. Je vais parler comme si nous étions en famille, assis, en train de discuter, avec un thé à la main, un café à la main, en train de discuter et de causer. Je vais
Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais sortir quelque chose. Et j'aimerais que cette chose-là puisse vous aider. Vous voyez, là, ici dans ce passage, Jacob était à côté de son accomplissement. Jacob a d'abord fui son frère Esau. Jacob est parti lutter. Jacob a vécu des épreuves. Jacob revenait avec la victoire. Mais avant de rencontrer son frère, Jacob s'est retrouvé seul. Parce que Jacob voulait prendre un temps pour méditer. Jacob voulait avoir le temps de réfléchir à beaucoup de choses avant de rencontrer son frère. Et c'est cet instant, et c'est ce moment, et c'est dans ce lieu que Dieu lui-même a choisi de venir avec la forme d'un ange lutter avec Jacob. Quand on parle d'ange, souvent les gens pensent que les anges, c'est toujours des êtres avec des ailes. Un ange peut venir avec un corps physique comme moi, comme toi, comme qui que ce soit. Donc Jacob a vu un homme qui est venu se battre avec lui. L'homme est venu se battre avec lui dans son songe. Mais pourquoi il vient se battre avec Jacob? Est-ce que pour bénir quelqu'un, on a besoin de se battre avec lui? Est-ce que pour bénir quelqu'un, on a besoin de se battre avec lui? Mais cette personne, cet ange, Dieu manifesté qui est venu, a commencé à se battre avec Jacob, à lutter avec Jacob. Jacob était là, il vient et puis commence à faire palabre avec Jacob. Jacob ne se laisse pas faire. Jacob lutte et Jacob remporte sa victoire. Et la Bible dit que Jacob était tellement victorieux que cet homme-là, cet ange-là, avant de partir, il ne pouvait pas partir parce que Jacob le tenait. Jacob le tenait. Et avant de partir, il a déboîté la hanche de Jacob. Il dit, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisse pas partir. De toute façon, tu es venu lutter avec moi là. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Oh, c'est fort. Je veux être rapide, mais je vais te sortir 3 points. Premier point que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Si tu veux voir la grâce de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te révèle, il faut avoir souvent, il faut avoir l'habitude de te recueillir, de te trouver tout seul, de t'isoler. Il faut avoir l'habitude de foi, de te mettre seul. Et ce n'est pas en groupe que Dieu bénit. Ce n'est pas dans le groupe que Dieu bénit. Dieu te bénira souvent quand tu es isolé. Dieu te bénira souvent quand tu es seul. Jésus lui-même dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu veut faire avec toi ne regarde personne. Oh, j'espère que vous m'entendez pour mettre des amen. J'espère que vous m'entendez pour continuer à partager ce direct. Je suis en train d'aider des gens. Je dis, ce que Dieu veut faire pour toi ne regarde personne. Même quand vous êtes en couple, Dieu peut vouloir bénir madame, ça ne regarde pas monsieur. Dieu peut vouloir bénir monsieur, ça ne regarde pas madame. Il ne faut pas dire parce que je suis avec, donc Dieu va tous nous bénir. Non, Dieu veut te bénir, toi, d'une manière exceptionnelle. Ta bénédiction ne dépend pas de la bénédiction d'une autre personne. Non, cherche ton isolement à toi-même. Cherche comment est-ce que tu peux souvent être seul pour avoir une conversation privée avec Dieu. Comment est-ce que tu peux être seul pour écouter la voix de Dieu? Ça, c'est le premier point. Je vais essayer d'aller vite. Le deuxième point que je veux que tu retiennes, quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas toi qui vas aller dire à Dieu, viens me bénir. C'est Dieu lui-même qui a décidé de te bénir. Et c'est Dieu lui-même qui va te trouver dans un endroit que lui-même il a prévu, à l'instant qu'il a prévu, à l'heure qu'il a prévu pour te bénir. Souvent nous croyons que
C'est parce qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on fait ceci, on va obliger Dieu à agir. Non. Souvent, tu cherches Dieu, Dieu ne se fait pas trouver parce que ce n'est pas son temps, parce que ce n'est pas le moment. Il attend son temps, il attend le moment, il attend le lieu. Est-ce que je suis clair? Je vais un peu vite aujourd'hui, hein? Je vais un peu vite. Donc, quand Dieu veut te bénir, il te surprend. C'est lui qui a surpris Abraham. Et c'est ce même Dieu-là qui vient de surprendre Jacob. Dieu surprend. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont choisi Jésus. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Tu comprends? Ce n'est pas toi qui choisis la bénédiction. C'est la bénédiction qui te choisit. Je pense que je me fais comprendre. Je pense que vous me suivez. Je pense que vous comprenez. Même si je suis un peu rapide, je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que je vais essayer de respecter un peu l'heure aujourd'hui. Ok. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui t'a choisi. Si on parle de localisation, ce n'est pas toi qui vas localiser Dieu. C'est Dieu qui va te localiser. La bénédiction, ça veut dire que je vais te donner un secret. Quand tu souhaites quelque chose, quand tu veux quelque chose, quand quelque chose est au fond de ton cœur, par exemple, oh, je vais être riche. Oh non, je vais être puissant. Oh non, je vais voyager. Tu sais pourquoi tu penses beaucoup à ça? Parce que cette chose à laquelle tu penses, elle-même, elle est en train de penser à toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de penser au mariage, au voyage, à la richesse, ce n'est pas toi qui désire cette chose. C'est cette chose même qui est en train de penser à toi. Et tu ressens que cette chose est en train de penser à toi, mais toi tu crois que c'est toi qui es en train de penser à cette chose. La richesse est en train de penser à toi, et toi tu penses que c'est toi qui penses à la richesse. L'élévation est en train de penser à toi, mais tu crois trop que c'est toi qui es toujours en train de penser à l'élévation. Et souvent, quand tu vois rien, tu dis, oh, depuis là, ce n'est pas ceci. Depuis. Mais est-ce que tu sais que ce que tu souhaites là, il est en train de penser à toi, c'est pourquoi il provoque le désir en toi. My God. Je vais aller en France. Je vais aller en France. Je vais aller aux États-Unis. Ce n'est pas toi qui veux aller aux États-Unis, c'est les États-Unis qui veulent que tu viennes. Ce n'est pas toi qui veux aller en France, c'est la France qui veut que tu viennes. Tu es né pour aller dans ce lieu. Je vais épouser une femme américaine, un homme blanc, et ceci. Ce n'est pas toi qui désires cela. Tu es né pour ça. C'est quelque chose qui est prévu pour toi. C'est pourquoi tu le ressens dans ton âme. Ce que tu ressens est ce que tu vis déjà. Ça se trouve déjà en toi. C'est pourquoi tu le ressens. C'est pourquoi tu le fais sortir. J'ai compris une chose avec Dieu. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. À un moment de ma vie, je cherchais beaucoup de choses. Quand j'entends parler d'un grand prophète, je veux le voir. J'entends parler d'un homme puissant, je veux le voir. J'ai même demandé à telle personne, prie pour moi, fais ceci. J'ai cru que des choses extérieures pouvaient compléter ce que Dieu a mis en moi. Et le Seigneur, des hommes de Dieu, certaines personnes ont prié pour des gens. C'était efficace, c'était ceci. Mais à mon tour, rien. Et Dieu me dit, ce que tu cherches se trouve déjà en toi. Tu as déjà tout. C'est en toi. Il faut juste le développer. Il faut juste prendre ton temps pour prier. Développer ce que tu as. Faire valoir ce que tu as. Tu es en train de chercher ça. Tu es en train de chercher ça. Mais c'est en toi. Et j'ai compris que tout ce qui vient de l'extérieur, cette bague, elle peut se perdre. Ça peut se perdre. Tu vas dire, oh, ça c'est mon alliance. Ça va se perdre. Mais ça ne pourra jamais remplacer l'alliance qui est dans ton cœur. Parce que ça, c'est le matériel. Le vrai alliance se trouve dans le cœur. Alors, on peut tout enlever. On peut tout te prendre. On peut tout ôter. Mais ce qui est en toi, ce qui est déjà en toi, personne ne peut le prendre. C'est impossible. Tu te déplaces avec. Tu vas partout avec. Partout où tu vas, ça se trouve en toi. Mais le problème, c'est que tu cherches à gauche, tu cherches à droite, tu cherches, tu crois que toi-même, tu es en train de chercher, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Reste tranquille et calme-toi.
Il y a une leçon dans ce passage. Est-ce que Jacob était en train de prier? Est-ce que Jacob était en train de jeûner? Est-ce que Jacob était en train de parler en langue? Non. Jacob dormait. Jacob dormait. Quand Dieu a décidé de te bénir, même ton sommeil est une prière. Oh, je suis en train de vous gâter ce soir. La praticalisation, la rhématologie en douceur, calmement. Je dis, quand Dieu a décidé de te bénir, même ton sommeil, pendant que tu dors, ton sommeil devient une prière. Quand tu te réveilles, la réponse est là. Tu penses à quelque chose. Avant de dormir, tu te réveilles, on t'appelle, on te dit, hey, il y a telle chose là qui t'attend. Dieu te surprend. Donc, retiens bien. Ce n'est pas Jacob qui est parti dire à cet homme, à cet ange, viens te battre avec moi. Non, c'est Dieu qui avait prévu pour quelque chose pour Jacob. Dieu l'attendait dans ce lieu. Il dit, quand Jacob va arriver ici, j'ai quelque chose à lui donner. Je vais changer son nom. Je vais changer. C'est ici que je vais changer le nom de Jacob. C'est ici que je vais changer l'histoire de Jacob. C'est ici que je vais changer la destinée de Jacob. C'est Dieu qui l'avait prévu. Jacob lui-même ne s'attendait pas à ça. Il y a des choses que nous poursuivons tellement dans notre vie. Mais nous ne savons pas que ces choses sont déjà là pour nous. Nous sommes en train de courir après beaucoup de choses. Nous gaspillons notre énergie. Nous gaspillons notre temps. Nous gaspillons et nous transpirons pour des choses qui sont déjà à nous. Alors qu'il suffit de rester calme. Il suffit de contempler Dieu. Il suffit de lui dire, je sais que j'ai déjà tout ça. Je sais que c'est déjà à moi. Et je sais qu'au temps voulu, au moment voulu, tu me donnes. Je sais que tu vas me donner. Oh, est-ce que Paul m'a devancé? Est-ce que Roger m'a devancé? Est-ce qu'un tel est en train de faire pire que ce que je voulais? Est-ce qu'une autre personne m'a surpassé déjà? Ce n'est pas grave. Je sais que moi, tu as prévu quelque chose. Et ça va venir. Et quand ça va venir, ça sera tellement grand. Mais peut-être que Paul va se rendre compte que pour moi est plus grand que pour lui. Peut-être que Bernard va se rendre compte que en réalité, c'était moi qui étais le plus béni. Donc, je n'ai pas besoin de lutter. Je n'ai pas besoin de me débattre, de gaspiller mon temps, de gaspiller mon énergie. J'ai juste à me concentrer sur Dieu. J'ai juste à lui dire, Seigneur, je suis ton enfant, je suis entre tes mains. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu as prévu pour moi. Et beaucoup de personnes ont peur de la mort, mais nous allons tous mourir. Tu peux économiser des milliards dans ta vie, tu vas mourir pour les laisser. Beaucoup de personnes luttent, ils ont peur de la mort. Oh ceci, oh cela. Je disais à quelqu'un une fois dans la semaine, je dis moi, même si on dit que le vaccin du coronavirus fait ceci, fait cela, et que ça doit tuer, ça doit faire ceci, moi et tiens. Parce que la Bible dit, si vous buvez des breuvages mortels, rien ne va vous arriver, n'importe quel vaccin, même le jour ça va devenir obligatoire, n'importe quel vaccin, dès qu'ils vont prendre comme ça le vaccin devient de l'eau. Dès qu'ils vont prendre le vaccin, ça devient un signe d'élévation. Au lieu que, si ça faisait du mal aux autres, au lieu que ça fasse du mal à moi, moi, ça va venir plutôt me rendre encore, ça va me donner même plus de santé. J'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Ah non, je vais mourir. Tu peux te coucher et puis tu meurs. Ah non, je vais mourir. Tu peux être en voiture et puis tu ne reviens plus chez toi. Tout ça, ça dépend de Dieu. Mais pourquoi nous nous inquiétons trop là? Pourquoi nous sommes tous en train de nous inquiéter? Pourquoi nous sommes tous en train de nous débattre alors que nous ne pouvons rien contrôler? Nous ne pouvons rien arrêter. Nous n'avons même pas la force de faire quoi que ce soit. Ça sert à quoi? Il faut plutôt que nous concentrons sur celui qui sait tout, qui voit tout et qui a la possibilité en un clin d'œil de changer notre situation. Ça, c'était le point où je disais que ce n'est pas Jacob qui a choisi, c'est l'ange qui a décidé de venir. Alors, le troisième point,
Ce n'est pas toutes les bénédictions qui sont faciles à prendre. L'ange vient et l'ange se bat avec Jacob. L'ange se bat avec Jacob. L'ange lutte avec Jacob. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais Dieu va vouloir que tu luttes. Vous savez pourquoi l'ange s'est battu avec Jacob? Parce qu'il fallait que Jacob puisse connaître la valeur de ce que Dieu veut lui donner. Jacob pourra dire, ouais, avant d'avoir cette bénédiction, avant que mon nom change, Dieu m'a montré ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Et Jacob pourra considérer ce que Dieu lui a donné. Il y a des choses qu'on reçoit facilement, on ne considère pas. Imaginez l'ange l'apparaissait, Jacob, 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 oui, j'ai décidé aujourd'hui de changer ton nom. Tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Mais Dieu voulait que Jacob sache que ce qu'il va avoir est important. Il y a de grandes bénédictions que Dieu veut te donner. Mais tu luttes avant de les avoir. Tu vis des épreuves avant de les avoir. Tu vis des difficultés avant de les avoir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est important. Parce que c'est précieux. Parce que ce que tu vas avoir, personne ne pourra encore te l'arracher. Ce que tu as reçu facilement, ça peut repartir facilement. Ce que tu as saisi facilement peut s'échapper facilement. Mais ce que tu as lutté pour avoir va demeurer toujours dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider une personne ce soir? Est-ce que je suis en train d'aider une personne ce soir? Oh, je veux me marier. Ça fait longtemps que je prie. Je veux un homme. Je veux me marier. Et tu n'as pas d'homme. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme que tu vas avoir sera au-delà de ton attente, de tes attentes. L'homme que tu vas avoir sera... Regardez, tous ceux qui ont souffert dans leur vie pour réussir savent contempler leur réussite. Mais ceux qui n'ont jamais souffert, papa était riche, maman était riche, tout le monde était riche, et puis ils ont eu quelque chose, tout va bien dans leur vie. Ils s'en foutent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Des fois, mais ils peuvent tout perdre parce qu'ils gaspillent. Mais quelqu'un qui a souffert dans sa vie, quelqu'un qui a lutté dans sa vie pour avoir quelque chose, il sait qu'il a lutté pour avoir ça. Et il sait comment l'obtenir, le maintenir. Écoutez-moi très bien. Ne cherchez pas toujours ce qui est facile. Ne cherchez pas toujours ce qu'on prend facilement. C'est une erreur. Acceptez que deux fois ce soit difficile d'obtenir quelque chose. Parce que ce que tu vas lutter pour obtenir, pour avoir, est la chose qui va changer ta destinée. Il y a beaucoup de grâces et de bénédictions qui sont pour toi. Mais Dieu veut souvent que tu passes par le feu. Regardez l'exemple de l'or. Voici ma chevalière. C'est une chevalière. C'est de l'or. Mais regarde cette chevalière. C'était de l'or brut. Ils ont pris l'or. Ils l'ont mis dans le feu. Ils l'ont travaillé avec le feu. Ils ont fait tout. Ils l'ont tapé. Ils ont fait tout, 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 tout. Et après, le bijoutier a continué. Il a transformé. Il a fait ceci. Il a poli. Il a fait tout ce qu'il faut. Et puis, il a fait tout. Il a fait les décorations, tout ce qu'il fallait. Et la voilà. Je dis au bijoutier, je veux une croix au milieu. Je veux mon initial en hébreu. Et je veux que le nom de Jésus soit écrit en hébreu dessus. Et le bijoutier a fait textuellement. Mais cet or qui est devenu un bijou qui est dans ma main, a souffert avant d'être ce beau bijou qui est dans mon doigt. Quand quelqu'un regarde, dit, oh, tu as une belle bague. Mais la personne ne peut pas imaginer combien de preuves cette bague a vécu avant d'être la belle bague qui est sur mon doigt. Tu veux être meilleur. Tu veux être supérieur. Tu veux être grand, tu veux être grande, tu veux avoir de bonnes choses dans ta vie. Accepte deux fois d'affronter les épreuves. Les épreuves sont un escalier dans ta vie. Les épreuves sont souvent un ascenseur dans ta vie, un ascenseur d'élévation, un escalier d'élévation. Les épreuves sont souvent le tunnel que tu dois prendre pour voir la grandeur et la gloire que Dieu prévoit devant toi. David dit, quand je marche dans l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Comment quelqu'un qui est en train de marcher dans la vallée de la mort va dire qu'il y a une table qui est dressée pour lui? Parce que David savait qu'il est en train de traverser le tunnel pour aller se restaurer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que ces petits conseils que je vous donne puissent élever votre destinée. Quatrième des choses pour terminer, pour ne pas trop prêcher ce soir, c'est quand Dieu veut te bénir, il change ton nom. Si ton nom était malédiction, Dieu transforme ton nom devient bénédiction. Si ton nom était échec, Dieu change ton nom. Il t'appelle désormais réussite. Dieu, en bénissant Abraham, a changé son nom à Abraham. Dieu, en bénissant Sarah, a changé son nom à Sarai. Dieu, en bénissant Jacob, a transformé son nom en Israël. L'ange demande à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. C'est le nom que mon père m'a donné. Mais dans le nom Jacob, se trouvait trop de problèmes. Dans le nom Jacob, se trouvait trop de combats. Dans le nom Jacob, se trouvait trop de limites. L'ange dit, ton problème, c'est ton nom. Ton problème, c'est ton nom. Le problème que tu traverses, c'est ton nom. Pour que les choses changent, pour que ton frère t'accepte, pour que ta vie change, je vais changer ton nom. Tu ne vas plus t'appeler Jacob. Désormais, tu t'appelles Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut écrire? Seigneur, change mon nom. Changer ton nom, c'est changer ton histoire. Changer ton nom, c'est changer ta destinée. J'étais beaucoup confus dans beaucoup de choses. Jusqu'à certains moments où j'étais en train de chercher la face de Dieu, que le Seigneur me donne une révélation qui se révèle à moi, après le décès de ma mère, pendant que j'étais en pleurs, que j'étais abattu et que je me disais que j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. La seule personne qui m'aimait vraiment, que je savais qu'elle m'aimait vraiment sur cette terre, c'était ma mère. Sans hypocrisie. Et la voilà qui est partie. À qui je vais me confier? Quand ça ne va pas chez moi, qui je vais appeler pour dire « Maman, aide-moi. Écoute-moi, donne-moi des conseils. » Je me sentais perdu. Et pendant que j'étais en train de prier, de pleurer, le Seigneur me dit, arrête de pleurer. Je suis ton père. Je suis ta mère. Tu ne dépends de personne. Je te rendrai différent de tout le monde. Tu n'as pas besoin de t'attacher à qui que ce soit. Je suis ton père. Je suis ta mère. Désormais, la grâce de Melchisedec est sur ta vie. L'onction de Melchisedec est sur ta vie. Tu t'appelleras Melchisedec. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis vraiment le Melchisedec de la Bible. Mais Dieu a emprunté un nom. Dieu a emprunté un nom qui a des valeurs. Un nom qui est rempli de sacerdoce. Un nom qui est rempli de révélation. Un nom qui est rempli de mystère, un nom qui est rempli de puissance. Dieu prend ce nom, il me dit, je te le prête, je te donne ce nom. Désormais, tu t'appelleras Melchisedec. Ce n'est pas sur ma carte dentée, mais c'est mon nom spirituel. Et depuis que le Seigneur m'a attribué ce nom spirituel, frère, il y a des mystères dans ma vie. La nature me parle. Le vent me parle. Même je peux regarder un animal comme ça. Et puis c'est comme si je communique avec lui. Il y a des choses qui m'étonnent moi-même.
Et c'est, Dieu me dit, je te donne un pouvoir sur l'eau. L'eau est la source de vie. L'eau est la mère de la création. Je te donne un pouvoir sur l'eau. Tout ce que tu vas déclarer sur l'eau s'accomplira. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à m'enseigner des mystères, à me révéler le sacerdoce. Il y a des choses que j'ai des pères qui ont dû m'apprendre, mais après, il y a des sacerdoces qu'aucune personne ne m'a appris, qu'aucune personne ne m'a communiqué, que Dieu lui-même m'a ouvert les yeux pour que je puisse savoir et que je puisse voir. Je prie que le Seigneur change ton nom. Je prie que le Seigneur change ton nom. Je prie que le Seigneur change ton nom. Qu'il change ton nom. Qu'il change ton histoire. Si on t'appelle brigand, tu seras brigand. Si on t'appelle voleur, tu seras voleur. Si on t'appelle mendiant, tu seras mendiant. Changer le nom, c'est très fort. Ça veut dire quoi? Toute ta vie, on t'a traité de malheureux, malheureuse. Toute ta vie, on a dit que tu vas échouer. Toute ta vie, on a dit que tu ne réussiras pas. Mais ton nom a changé. Vous savez, le mariage était rare dans ma famille. Je peux le dire haut et fort. Je fus l'une des premières personnes à se marier dans ma famille. Et c'est comme si j'ai ouvert la porte du mariage pour tout le monde. Vous comprenez? Changer le nom, c'est changer la marque qu'ils ont déposée sur toi. Changer les mauvaises paroles qu'ils ont déposées sur ta vie depuis que tu es né. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas faire ceci. Aujourd'hui, je prophétise et je proclame que tout ce qui a été déclaré de négatif sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Le dernier enseignement de ce passage, c'est tant que tu n'as pas encore eu ton exaucement, n'arrête pas d'invoquer le Seigneur. Jacob dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu pries pour un sujet qui te tient à cœur. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu n'as pas encore vu cette chose. Et puis tu dis, oh, je laisse tomber. Ne laisse pas tomber. Tant que tu n'as pas ton miracle, tant que tu n'as pas ton exaucement, tant que ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore trouvé, dis-toi que tu dois continuer à lutter. Tu dois avoir le courage que Jacob a eu, que Israël a eu, pour lutter jusqu'à ce que son histoire soit transformée. Persévère et ne baisse pas vite les bras tant que tu n'as pas eu ce que tu veux. Que ce soit, le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Que la grâce soit sur votre vie. Que la bénédiction vous anime très fort et que Dieu utilise ce passage pour remplir votre destinée de grâce. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de préparer votre bouteille d'eau et un peu d'huile à côté. Nous allons prier parce que notre heure est presque arrivée. On va rentrer maintenant dans les prières prophétiques. Préparez la bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau comme ça et puis prenez un peu d'huile. Thank you.
Ok. On va maintenant passer à l'action prophétique. Notre heure, c'est dommage. C'est pas dommage, mais l'heure est passée vite. L'heure est passée vite. Il est déjà 1h03. Donc on va maintenant prier. On va prier. Je vous demande pour commencer, pour, je vous ai dit de prendre un peu d'huile. Alors, j'ai déjà béni tout à l'heure l'eau. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire encore avec l'eau, la prière qu'on va faire, je vais faire. Alors, maintenant, je vais vous demander, puisque je vous ai demandé de prendre un peu d'huile, prenez juste un peu d'huile dans votre main. L'huile qui est avec vous, à côté de vous, prenez juste un peu d'huile dans votre main, frottez dans votre main. Voilà, si vous voulez frotter un peu sur vos visages, sous les pieds, c'est vous qui voyez. Mais prends un peu d'huile dans ta main et puis fais ça dans un esprit de prière. Voilà, fais ça vite fait. Voilà, tu prends l'huile dans ta main, tu frottes dans ton visage si tu veux, tu frottes sous tes pieds, il faut être en accord avec l'huile. Alors si tu as fini de frotter l'huile, si tu as fini de frotter l'huile, ouvre ta main comme ça. Ouvre ta main. Si tu ne peux pas ouvrir les deux mains, ouvre une main. Ce n'est pas grave. Ouvre ta main. Répète après moi. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une deuxième fois. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une troisième fois. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une quatrième fois. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une cinquième fois. Tu oins d'huile ma tête
et ma coupe déborde. Une sixième fois, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Septième fois, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Huitième fois, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Neuf, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Enfin, dix, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Joins tes deux mains. Tu joins tes deux mains comme ça, tes deux mains que tu as huilées. C'est bon? Tu souffles une fois. Deux fois. Trois fois. Lorsque tu as soufflé la troisième fois, dès que tu as fini de souffler la troisième fois, tu fais ça. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Une fois. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Deux fois. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Trois fois. Quand tu as fini, maintenant, tu parles. Demande ce que tu veux à Dieu. Je vais dire Amen et tu vas arrêter de prier. Donc, parle à Dieu. Rabashé katara malakashi kataria balakotoria baba santerege izekaria makhaturika mahir karabarashi karabara kuntarabre kiria balasandirege bekufarabashantarabre kusharabre katarhantarake lakashi karaba senturogoshi karababa koshi karantirege bre alahantirege karabara kurehia babasi. Baibéria baba sakara baba bashe ke toro komo ko shiki birigo taraba bashe ke birigo harama bashe taraba. Lora baba 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 bashe ke toro ko shaka ba ya bara ko shiki birigo. Lo karaba shi karabra ko sharabra ko sin haria bara ko shi. E karaba baba bashe. Amen. Maintenant je vais prier. Quand je finis de prier, je vais te dire ce que tu dois faire. Ta main reste comme ça. Seigneur, nos mains sont ouvertes. La main de mon frère, la main de ma sœur, nos mains sont ouvertes. Voici tout ce que nous t'avons réclamé, que chacun est en train de te demander chez lui à la maison. Par l'alliance que nous avons, en ma qualité de oint de Dieu, en ma qualité de prophète, parce que tu m'as établi. Père, toi le Dieu du sacerdoce, je suis en alliance avec ces personnes maintenant. Je prie que leur main qui est ouverte soit remplie de trésors, que leur main qui est ouverte soit remplie de miracles, que leur main qui est ouverte soit remplie des ossements, que leur main qui est ouverte soit remplie de grâce. Seigneur, fais déborder, fais déborder, fais déborder, que certaines personnes même commencent à sentir la lourdeur dans la main. Que certaines personnes commencent à sentir les démangeaisons dans les mains. Que certaines personnes commencent à sentir des chaleurs dans la main. Que certaines personnes commencent à sentir la fraîcheur dans la main. Seigneur, aujourd'hui, je me positionne contre l'échec, contre le blocage, contre la mort, contre toute difficulté qui fatigue cette personne qui est en train de prier avec moi. Père, mes mains sont ouvertes en leur faveur. Je prie qu'au nom de Jésus, par le témoignage de l'huile, l'huile qui représente le Saint-Esprit, qui a été oint dans nos mains, par le témoignage de cette huile, tu dis lorsque quelqu'un est malade, que l'huile touche la personne et qu'il soit guéri. L'huile est le symbole du témoignage. L'huile est le symbole, est un messager en notre faveur. Je prie que cette huile parle maintenant pour nous et que parce que nous avons été oints ce soir, cette huile déclenche la grâce. Cette huile déclenche la bénédiction. Cette huile déclenche le miracle dans la vie de toute personne qui m'entend. J'espère que l'onction que je ressens sur moi en ce moment soit maintenant dans la vie de ceux qui me suivent et qui m'écoutent. Et que cette grâce les environne
par la puissance du nom de Jésus. Je le communique, Seigneur, cette grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, fais ta main comme ça. Fais ta main comme ça. Lorsque tu as fini, et tu dis Amen. Ok. Tout à l'heure, j'avais prié pour les bouteilles d'eau. Et je vous avais demandé de ne pas ouvrir les bouteilles. Voilà. Commencez à liker le direct. Commencez à liker parce que vos mains sont libres maintenant. Likez le direct. Je vais sentir que vous êtes là. Je veux des commentaires. Je veux des likes. Et puis, vous pouvez continuer à partager. Donc, commencez maintenant à liker. Alors, tu prends une main. Et tu prends ta bouteille d'eau. L'autre main là, ça peut continuer à liker. Et je vous avais dit tout à l'heure de ne pas ouvrir vos bouteilles. Quand j'avais prié tout à l'heure. Alors maintenant, vous pouvez ouvrir la bouteille. Vous pouvez ouvrir votre bouteille comme je l'ai fait. Et tu mets la bouteille comme ça. Tu fais... Une fois. Tu refais encore. Deux fois. Tu refais encore. Trois fois et tu refermes. Referme. Je regarde mon eau parce qu'il est en train de changer de couleur. Je regarde mon eau parce qu'il était clair tout à l'heure. Il est devenu, on dirait, j'ai versé quelque chose dedans. Ouais. Alors, tu refermes la bouteille. Et tu tiens la bouteille avec une main. Moi, je veux voir les likes à toujours. Je veux voir les likes. C'est avec une main que tu tiens la bouteille parce que tu as deux mains. Il y a une main qui like parce qu'il faut que le direct soit protégé. Il y a une main qui like et il y a une main qui tient la bouteille. Prends-la dans ta main droite si tu... Voilà. Je vais prier. Toi, tu tiens juste ta bouteille. Moi, je vais prier. Oh, tu es source de vie. Oh, tu es source de vie. Je te tiens entre mes mains. Et je te prends comme point de contact pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées avec mon onction, qui viendront se connecter. Je te prends comme point de contact. Oh, tu es entre mes mains. Je t'ordonne. Et j'ordonne à l'ange de l'eau, l'ange qui veille sur l'eau, je t'appelle par ton nom. Toi, l'ange qui t'es révélé à moi. Toi qui m'as donné la clé. Maintenant, que chaque eau qui est entre la main de qui que ce soit, soit consacrée. Parce que je tiens cette eau entre mes mains, que l'eau qui est entre leurs mains soit vivante.
que l'eau qui est entre leurs mains leur parle. Que l'eau qui est entre les mains devienne énergétique. Qu'une onction, la puissance de Dieu, envahit cette eau. Toutes les prières qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont demander, tout ce qu'ils vont souhaiter, en buvant cette eau, que cela s'accomplisse. S'il y a une maladie qui était cachée dans les corps, que cette eau la chasse. S'il y avait un blocage, que cette eau la chasse. S'il y avait une difficulté, que cette eau la prise. Je commande que cette eau qui est entre leurs mains soit une source de miracle, une source de solution. En buvant cette eau, retire les fibromes, retire l'hémorroïde, retire toutes sortes de maladies, tout ce qui est caché dans leur corps, l'infertilité. En buvant cette eau, retire tout blocage, toute malédiction, tout échec. Cette eau, s'il y a une goutte qui tombe, que ce soit le feu contre leur ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, 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 que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux boire une goutte de cette eau-là. Sois en accord avec ton eau. Bois une goutte avant que je termine de direct. Bois une goutte. L'eau là devient, on dirait, c'est sale. C'est devenu la couleur de l'eau là en train de changer. Bois une goutte de cette eau et puis tu refermes la bouteille, tu la poses. Alors, la bouteille qu'on vient de prier là-dessus, l'eau pour laquelle on vient de prier, c'est ta bouteille. Il faut boire à ton rythme, comme tu le sens. Tu veux en donner aussi à quelqu'un, comme tes enfants, ton conjoint, n'hésite pas. Si tu vois que l'eau est en train de diminuer, tu peux rajouter de l'eau si tu veux, dans la même bouteille, et continuer à boire. Attention, quand tu vas boire cette eau, pour certaines personnes, tu risques d'avoir des problèmes, pas des problèmes, mais tu risques d'avoir, par exemple, on va dire, la diarrhée. Parce que tu vas dégager des choses. Certaines personnes, tu vas boire cette eau, tu vas te mettre à rôter. Il y a un témoignage là. Est-ce que vous permettez qu'on accorde 20 minutes pour les témoignages, pour les prières qu'on vient de faire? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont envie de raconter quelque chose qu'ils viennent de vivre et qu'ils puissent appeler juste pour un témoignage. On va faire ça peut-être tout à l'heure, hein? Il y a des gens qui vont se mettre à rôter seulement. Tu es là et puis tu rôtes ou tu bailles parce que tu as bu cette eau. Faut pas avoir peur. D'autres même vont avoir des douleurs dans le corps, comme s'il y a une partie de leur corps là, quelque chose qui leur fait mal. C'est quelque chose de mauvais qui se manifeste pour sortir de ton corps. Faut pas avoir peur. Si tu as la diarrhée, faut pas avoir peur. Tu es en train de te vider du mal. Si tu as même vomi, faut pas avoir peur. On fera un direct, je crois, dimanche. Certaines personnes pourront rendre témoignage dimanche. Peut-être qu'en buvant l'eau, quelque chose s'est passé dans leur vie, dans leur organisme. Ils pourront rendre témoignage dimanche. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu as bu cette eau, qu'il y a des choses qui se passent, il ne faut pas avoir peur. Alors, avant de faire ma prière finale, je voudrais aussi vous rappeler que l'opération Allons aux voyants a commencé. L'opération Allons aux voyants a commencé. Aujourd'hui, je devais recevoir 3 personnes. J'ai pas trop eu le temps. J'ai reçu 2 personnes. La 3e personne, j'ai laissé un message à la secrétaire de lui dire que je vais la recevoir demain. La semaine prochaine, je continue à recevoir des gens. Inscrivez-vous à l'opération Allons aux voyants. On ne s'inscrit pas gratuitement. On fait son offrande, on s'inscrit
et je prends le temps avec vous. On dit l'eau tremble. Il y a quelqu'un qui dit l'eau tremble. Il y a quelqu'un qui dit l'eau tremble là-bas. Je vois les témoignages écrits là. Moi-même, mon eau a changé de couleur ici. Les gens jouent avec le spirituel. Les gens jouent avec les choses spirituelles. Je suis votre serviteur, le Bishop Mercedes. N'hésitez pas à visiter notre site. Si vous voyez sur les commentaires, il y a un administrateur qui a marqué l'adresse du site et de la chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis allez-y visiter notre site. Dans le site, il y a une boutique. Faites vos achats. Les savons que j'ai consacrés sont des savons très puissants. L'huile que j'ai consacrée, que je vous envoie, ce n'est pas n'importe quoi. Le sel que tu vas prendre là, c'est comme si tu as pris du feu pour détruire la vie de tous ceux qui dérangent ta vie. Alors, faites vos achats sur le site. Si vous ne pouvez pas sur le site, appelez la secrétaire. On trouve un moyen pour vous faire partir. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais accorder à peu près 10 minutes. 10 à 15 minutes. Bon, c'est pas grave. On a dit qu'on allait veiller. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, parce qu'en priant aujourd'hui, quelque chose s'est passé. En buvant l'eau ou en priant. Là, je vois, je baille. Il y a quelqu'un qui dit, je ne fais que rôter. Il y a une autre personne qui dit, l'eau ne fait que trembler. L'eau pour la cœur. Est-ce que moi, je suis allé faire toucher ton eau? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Je connais le nom de l'ange qui veille sur l'eau. L'ange qui est là où les mers se croisent. Il y a un ange qui veille sur l'eau. Celui-là, c'est un chef de l'armée de l'Éternel. J'ai la clé. Je connais son nom. À chaque fois que je vais prier pour l'eau, quelque chose va se passer. Ce n'est pas de la comédie. Je ne copie personne. Certains ont copié, mais ce n'est pas pareil. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est quelque chose qu'il a pris et puis il m'a donné. Il dit, tiens, cette eau-là, ça va agir pour vous. Alors, si quelqu'un veut appeler, il peut appeler. Hein. Là, il est déjà 1h23. Normalement, on devrait arrêter le direct. Je suis en train de voir des commentaires écrits. Donc, si quelqu'un veut appeler, je peux permettre un ou deux appels ou trois. Et puis, je vais faire une grande prière finale. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je ne fais que bailler. C'est une délivrance que tu es en train de recevoir. Il y a quelqu'un qui dit, je ne fais que bailler. Je lis en même temps les commentaires. Ah, béni Elisabeth. Elisabeth ne fait que bailler. Sois béni. Voilà. Il y a un appel. Ok. Oui. Allô? Shalom. Allô? Et allô, il va. Shalom. Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Bon, pendant que tu étais en train de prier sur la. Tu étais en train de prier sur l'eau, là. Moi, j'avais attrapé la bouteille, je ne bougeais pas ma main. Donc, là, l'eau qui est dans la bouteille a commencé à remuer fortement. Waouh! Et puis après, maintenant, ça a commencé à remuer tout doucement. Présentement, même elle est par terre, mais ça remue. Pourtant, elle est par terre. Il y a même plus touché la bouteille, elle est laissée comme ça. Il est là tout seul. Yeah. Ok, sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas boire cette eau, tu vas voir. Hey, si tu as diarrhée, il ne faut pas avoir peur. Tous les trucs bizarres vont partir. Amen. Sois béni. Amen. Il y a quelqu'un qui dit son eau est en train de bouillir. Aïe, il y a du feu là-bas. Et si une autre personne veut appeler, il y a quelqu'un qui dit son eau est en train de bouillir. Son eau en train de bouillir. Aïe, s'il y a un autre appel. Est-ce qu'il y a un autre appel?
Est-ce qu'il y a un autre appel? Je lis les commentaires là seulement. Allô? Allô? Oui, oui, papa. Oui. Oui, papa. Oui. D'abord, quand tu avais commencé la prière, la dame qui t'a appelé pour dire pour sa fille là, et Oui. pour ses enfants. Oui. Quand tu priais là, il y avait l'onction qui était descendue sur moi d'abord. Oui. Et puis quand on a prié par rapport à l'eau, et puis avant tu dis d'ouvrir les mains, ma main a commencé à trembler. Les deux mains ont commencé à trembler. Et puis tout à l'heure, quand tu as dit de boire l'eau, mon eau est devenue amère. Waouh. Sois béni. Que le Seigneur utilise Amen. cette eau pour te guérir, te restaurer, te libérer de tout ce qui est négatif. Et que cette eau Amen. combatte à ta faveur au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a Nafissatou, tu ne fais que bailler. Eh, ma fille, Nafissatou. Ma fille, ma fille. Moi, j'ai beaucoup de Burkinabé qui aiment mon affaire. Il y a beaucoup d'enfants Burkinabé, attention. Hein. Ma fille, Nafissatou, t'inquiète pas, on va faire le programme là au Burkina. Là. Ton papa va venir te voir. Moi, je viens juste pour manger les kabato. Il y a onction dans les kabato. Ok. Est-ce qu'une autre personne voulait appeler? Au moins une troisième personne, et puis on va faire la prière pour terminer. Est-ce que. Sois béni, Carlos. Carlos, s'il te plaît, que Dieu te bénisse. J'aimerais franchement que tu t'inscrives à l'opération Allons aux voyants. Fais tout pour contacter la secrétaire, s'il te plaît. J'ai des choses à te dire, mais je ne peux pas les dire là dans le direct. Donc fais tout pour contacter la secrétaire. Sois béni. J'ai lu ton commentaire là, c'est pourquoi je te laisse ce message. Sois béni. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, soit l'onction est sauvage et brute. Je suis rempli d'une paix. Je suis rempli d'une joie, d'une paix. On dirait que j'ai jamais eu de soucis dans ma vie. Non, c'est extraordinaire. Ça, la drogue peut pas faire ça. L'alcool peut pas faire. Rien ne peut donner cette paix que j'ai. Sinon, c'est formidable. Oui, Allô, allô. bonsoir papa. Bonsoir. Moi j'appelle tout à l'heure, avant de boire l'eau, Oui. j'avais des douleurs à la poitrine. Oui. Quand j'ai bu l'eau, Oui. ben, la douleur est partie. Wow. Et je ne fais que bâiller. Je Saint-Esprit. remercie le Seigneur. Alléluia. Oui. Tu avais une douleur à la poitrine. Dès que tu as bu l'eau, Oui. c'est parti. C'est parti. Oh, témoignage, La douleur témoignage. est partie. Que le Je remercie Seigneur le Seigneur. continue ce qu'il a commencé dans ta vie et que cette eau continue de parler en ta faveur. Te Amen, libérer, te amen. restaurer au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Amen. amen, amen. Sois béni. C'est bien d'appeler comme ça, de rendre témoignage. C'est bien d'appeler comme ça et puis rendre témoignage. C'est tellement formidable de dire ce que Dieu fait pour vous. N'hésitez même pas. C'est quelque chose de bien parce que ça édifie. Et puis même l'homme de Dieu lui-même, ça l'encourage. Ça lui donne la force encore de se consacrer pour vous, de continuer à vous aider. Donc ne gardez pas les témoignages pour vous. Et donc, comme le temps est avancé, on ne va peut-être pas exagérer. Moi, j'ai envie de m'asseoir pour écouter tous vos témoignages avant qu'on quitte ici. Bon, il y a des gens aussi qui sont timides, qui ne vont pas peut-être appeler aujourd'hui. D'autres même en sommeil déjà. D'autres sont en train de bâiller. Là, il est 1h30. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille demain samedi. Donc, on va être sage. On dit, l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Donc, est-ce qu'on peut réserver nos témoignages pour dimanche?
Est-ce qu'on peut réserver notre témoignage pour dimanche? Pendant ce moment ou dans la semaine, pendant les directs, Dieu a fait quelque chose pour toi. Et pendant ce moment, Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as senti la présence de Dieu. Tu as été édifié. Tu as ressenti la présence. Même concernant l'eau, là, quelque chose s'est passé. Tu n'as pas eu l'occasion de rendre témoignage ce soir. Et tu peux conserver ton témoignage pour demain. Voilà. Pour demain. Attendez, je vais écouter ça. Attendez. Le boss, pasteur, mon connaissant est fini. Donc, je vais vous laisser ici. Aujourd'hui, priez pour moi. Si j'allais vous regarder encore. À... Ok. Que Dieu vous bénisse. Je regarde les commentaires seulement. On dit c'est grave. Hein. Pourtant, je n'ai pas crié. Je vous dis là, je n'ai pas crié. Je suis posé tranquillement, paisiblement, calmement. Ok, on va terminer notre direct. Parce que si on veut voir les témoignages là, dimanche, on aura le temps pour ça. Dimanche, on va être encore édifié. Quand Dieu commence, il termine. Je voudrais lancer un appel pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, le Myriad. On a des programmes en vue. On a vraiment des programmes en vue. Tous ceux qui veulent faire partie du ministère, du Myriad, tu es une chante, tu es un chante, tu es un musicien, tu es quelqu'un qui a l'appel de Dieu, qui sent l'appel de Dieu, où tu travailles mais tu veux soutenir, tu es à Paris, tu es en Belgique, tu es en France, tu es même en Afrique, quel que soit le lieu où tu es. Mais Dieu te dit que ce ministère-là, il faut que tu soutiennes, tu fasses partie de ce ministère pour que ce ministère puisse impacter le monde, avoir de l'ampleur. On a des programmes en vue. On a beaucoup de projets en vue. Mais c'est ensemble que nous pouvons avancer. C'est avec le soutien de plusieurs que nous pouvons avancer. Donc ceux à qui Dieu parle, qui sentent que cet homme de Dieu qui est assis là, je dois m'attacher à lui, je dois apporter quelque chose, je dois faire quelque chose avec lui pour que l'œuvre de Dieu prenne de l'ampleur. Contactez-nous, contactez ma secrétaire. Contactez ma secrétaire. On va se retrouver bientôt. Ceux qui ne sont pas en France, ça sera par vidéo. On va se parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent que je ne veux pas dire ici sur le direct. Et je remercie tous ceux déjà qui ont commencé à prendre cette initiative. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette année, nous avons beaucoup de projets et nous voulons faire beaucoup de choses. Et alors, donc, si Dieu te parle, n'hésite pas. Deuxième des choses, ceux qui ont l'appel de Dieu, ceux qui sentent que Dieu les appelle, ceux qui sentent qu'il y a un don en eux, Dieu veut qu'ils le servent, n'hésitez plus. Contactez la secrétaire parce que cette année, je vais consacrer des gens, je vais prier pour des gens. Cette année, je vais communiquer l'onction prophétique à plusieurs personnes, même si tu n'habites pas en France, quel que soit le pays dans lequel tu es. S'il faut qu'on se déplace, on se déplacera. S'il faut que ça soit à distance, mais ce que Dieu a prévu, on le fera pour toi cette année. Et tu pourras servir l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, cette année, il y a une impactation prophétique. J'ai dit au Seigneur, je vais faire asseoir une église, une grande église à Paris. J'étais même prêt à payer la salle. Payer une salle qui nous appartient nous-mêmes. Le Seigneur m'a dit, calme-toi. Tu as dépassé ce stade d'être un petit pasteur, de quelqu'un qui est assis là, il est là chaque dimanche. Il dit maintenant, je veux que tu impactes mes oins pour que eux aussi aillent impacter les brebis et impacter les nations. Donc, je ne vais pas tout dire ici. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de préparer et on a besoin de vos soutiens. Donc, quelqu'un qui sent que Dieu l'appelle à s'unir avec le bishop Melchisédek pour faire avancer le Myriad, que la personne se fasse connaître auprès de la secrétaire. Que Dieu vous bénisse.
Je suis votre serviteur, le Bishop Melchizedek. Visitez notre site internet. Visitez-le. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels en ce moment qui sont en train, ou toutes les personnes qui sont en train de faire des offrandes. La CTT m'appelle. Telle personne a pensé à toi. Telle personne a envoyé ceci. Telle personne a fait cela. Que la main puissante de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur ne cesse de vous élever. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. C'est vous qui me donnez la force de continuer à servir Dieu. C'est vous qui me donnez la force de me lever le matin et de chercher la face de Dieu pour les autres. Que Dieu vous bénisse en retour. Alors, maintenant, nous allons terminer notre direct. Je vous demande simplement, si vous avez la force, si l'onction n'est pas sur vous, que vous n'êtes pas tombé, je vous demande de tendre votre main vers moi. Tendez votre main vers moi pour que je prie pour finir ce direct. Nous avons dépassé l'heure de 36 minutes. Ça va. Ça va. C'est bien. On a été réglo ce soir. Voilà. On a dit que c'était de 23h à 1h. Il est 1h36. On n'a pas trop débordé. Donc, tendez votre main vers moi. Je vais prier. Tendez. Tends ta main. Tends ta main comme si tu voulais toucher ma main. Touche ma main. Tends ta main. Tends ta main. Maintenant, au nom de Jésus. 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 Reçois. Reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus. Je libère l'onction sur ta vie. Je libère cette grâce sur ta vie. Je libère cette bénédiction sur ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et que ton histoire change. Père, je bénis tes enfants. Je te remercie pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Ce fut un moment agréable. Ce fut un moment merveilleux. Du début jusqu'à la fin, tu as été là avec nous. Que tout ce que tes enfants ont reçu soit scellé et que cette bénédiction parte avec eux en toutes choses, en tout lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons passé un très, très, très bon moment ensemble. Passez une très bonne nuit. Ayez des sommeils agréables. Je sais qu'il y a certains qui vont faire des bons rêves. Il y a certains qui vont avoir des révélations. Il y a certains à qui Dieu va parler encore cette nuit. Et je suis convaincu qu'il y a des gens, même après le direct, l'onction va continuer à agir sur eux. Il y a des gens qui vont avoir le don de prophétie, le don de guérison, le don de révélation. Je suis convaincu qu'il y aura des guérisons, il y aura des miracles encore. Même quand le direct est fini, le Saint-Esprit va continuer à agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon fils Eric. Que Dieu te bénisse, Olga Gouzil. Vraiment, que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse, Jacqueré Mallory. Que Dieu te bénisse abondamment, Aya Hélène. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Shalom. Et à dimanche.